soir à l'hôtel de ville de Corbeil-Essonne pour cette soirée qui s'annonce assez importante dans l'histoire de la ville. Vous êtes d'ailleurs très très nombreux ce soir. Je suis Frédéric Gilly, c'est moi qui vais un peu animer la soirée. On est réunis pour découvrir ensemble le projet des grands moulins de Corbeil. Il va y avoir plusieurs moments dans cette soirée. Et même si on est là pour découvrir le projet, on va essayer de vous donner à vous, à plusieurs fois, la parole avant de découvrir le projet. Parce que c'est toujours pareil. Hein. Quand on a vu des images, on repense plus pareil que si on ne les avait pas vues. Donc il est encore temps de vous redemander ce que vous attendez, ce que vous espérez ou ce que vous craignez sur ce site avant qu'il vous soit présenté. Après, ce sera un peu trop tard. Après, on le présente et après, on rediscute pour savoir qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on aurait envie de bouger, qu'est-ce qu'on aurait envie d'améliorer, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire, qu'est-ce qu'on aurait envie de... Et on a jusqu'à 20h15 et après, on se retrouve tous dessous, en bas, dehors, pour continuer la soirée tous ensemble. Donc le programme est chargé. Je suis à côté de Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonne, et je vais vous donner tout de suite la parole pour un petit mot d'accueil. Peut-être, qu'est-ce que vous attendez des habitants qui sont tous là ce soir ? D'abord, bonsoir à vous toutes et tous. Deux choses avant de répondre à la question. Vous remercier d'être là, les Corbeil-Essonnoises et les Corbeil-Essonnois. On a souhaité présenter ce projet, on aurait pu faire autrement. Dans un grand salon de l'immobilier, il y a le grand salon de l'immobilier qui va commencer à Cannes la semaine prochaine. On a décidé non, on a décidé de le faire avec les Corbeil-Essonnois. Donc merci à vous d'être là. Ils se présenteront donc tous ceux qui ont travaillé à ce projet. Mais je remercie Michel Bisson, le président de l'agglomération Grand Paris Sud, d'être là. Stéphane Raffali, vice-président de l'agglomération, maire de Ris-Orangis, merci d'être là. Xavier Dugouin, président du CIARS. Merci d'être là, de très nombreux élus de la ville de Corbeil-Essonne, de la majorité, de l'opposition, et c'est très bien. Donc voilà, d'abord, merci à vous. Un mot, c'est que c'est très compliqué depuis 10 jours. J'ai écrit l'éditorial du magazine municipal il y a quelques jours, celui du joli mois de mars, en disant... vive le printemps à Corbeil-Essonne, puisqu'on a de nombreux projets dont celui-ci. Puis, il y a eu cette guerre dramatique en Ukraine, et c'est très compliqué pour moi, pour l'équipe municipale, de faire comme si tout ça n'existait pas, alors que dès qu'on allume la télé, il y a de l'horreur sur les images. Je disais d'ailleurs, on fait comme ça avec vous, parce que tous les pays, tous les territoires, nous on est une ville... Mais gouverné par un seul homme de façon un peu autoritaire, ça finit toujours mal. Et donc ce soir, on va essayer de continuer de faire un petit peu autrement. J'en dis pas plus sur l'Ukraine. On a eu un conseil municipal d'ailleurs hier soir unanime pour être solidaire du peuple ukrainien. Mais je souhaitais le dire. Et donc, en quelques mots, on est là ce soir. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes devenus maires tous ensemble, il y a le conseiller départemental Alexandre Macquestio qui est là aussi, quand nous sommes devenus maires il y a pas tout à fait 2 ans, on avait déjà un projet, ce pourquoi nous avons été élus, qui était entre autres d'avoir la chance et le désir et la volonté de s'attaquer au centre-ville de Corbeil-Essonne, parce que comme nous ont dit les habitants, mais je vais les laisser le dire parce qu'on verra quelques images, on a un potentiel extraordinaire dans cette ville. Il y a juste un problème, c'est que les jeunes nous disent « nous, le centre-ville, on n'y vient jamais ». Les femmes nous disent « c'est chouette, mais c'est pas pour nous ». Ça fait déjà beaucoup de monde. Et donc, on avait l'ambition donc de retravailler ce centre-ville. Et puis, il y a deux, trois et autres opportunités qui sont arrivées. Je dis opportunités parce que nous sommes convaincus que ce sont des chances. C'était avec Eric Ross qui est là, donc le directeur des Moulins Soufflets qui est là. Merci Eric. C'était quand nous arrivons, eh bien, il y a un projet qui n'est pas le nôtre, qui est le projet des Grands Moulins, de vendre ce site remarquable pour, ils le diront, déplacer toute l'activité des Grands Moulins sur l'autre partie. Et puis un autre projet, donc une vente, et il a fallu qu'on mette évidemment notre grain de sel, et merci de nous avoir permis de mettre notre grain de sel dans cette affaire, parce qu'il y avait un concours privé,
Et je ne parle pas du cahier des charges de l'ancienne équipe, mais nous, on en a fabriqué un et vous allez voir une partie de notre cahier des charges qui a été pris en compte. Et donc, merci. Et puis, l'autre projet important, c'est Novaxia Hélio Corbeil. Une autre, il faut en faire une opportunité, ça nous échappe, une imprimerie qui ferme, qui vend, 4 hectares. Et il y a 3 semaines, nous étions près de 200 habitants, en tout cas 196 ont émargé à l'entrée, pour débattre ensemble aussi du devenir de Novaxia. Ben, mettez-vous à notre place, nous on se met à la vôtre, et c'est parce que voilà, nous ne souhaitons pas faire la ville, les élus dans notre coin, mais la faire avec vous, qu'on est ici ce soir ensemble. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je vais passer la parole à Gaëtan Varny. Gaëtan Varny, bonsoir. Vous êtes directeur général Altarea Cogecim Développement Urbain. C'est vous qui rachetez à la famille Soufflet le site. Vous allez devenir propriétaire d'un joli terrain, là. Pourquoi vous investissez à Corbeil, d'abord? Et après aussi, vous nous présentez le projet. Là, il est peut-être qu'il est complètement bouclé. Alors, s'il est complètement bouclé, à quoi ça sert d'avoir autant de gens et de leur demander de parler ce soir? Merci. Alors, plusieurs questions. D'abord, je remercie Monsieur le maire d'avoir organisé cet événement. Et je remarque que vu le nombre de personnes, tout le monde est très intéressé par ce projet. Et je voulais dire que nous aussi, on s'est passionnés par ce projet sur ces derniers mois. Donc, la première réponse, pourquoi est-ce qu'on investit sur un site comme celui-ci? Parce que c'est notre savoir-faire, c'est notre raison de la société, donc avec Histoire et Patrimoine, qui est représenté ici par Axel Macardier, qui nous expliquera un peu plus le projet tout à l'heure, de s'intéresser à des projets et à des sites exceptionnels, comme on vient de le dire, du moulin soufflé. Donc, on est une société de... d'ensemblier urbain, et le but c'est de faire la ville sur la ville et de recréer de la vie à des endroits qui en manquent un petit peu, ou en tout cas qui permettent, qui ont cette opportunité et qui offrent cette opportunité. Donc quand vous me disiez est-ce que l'opération est figée et est-ce que quel est l'intérêt est-ce qu'elle est rentable? Évidemment qu'elle est rentable pour la ville, surtout, puisque c'est une ouverture, on va le voir, on va expliquer le projet. Une opération, ça doit toujours être gagnant-gagnant pour tout le monde, pour le propriétaire, pour l'opérateur, pour la ville, pour les équipements publics, pour la population avant tout. Donc évidemment qu'elle est rentable à différents titres, bien sûr. Ensuite, vous me demandiez qu'est-ce que m'attendait de cette réunion. Donc toute la conception qui a été faite, et on verra avec une équipe pluridisciplinaire qui a été montée pour justement réaliser et concevoir ce projet, on a été animé pendant toute la conception et on s'est nourri de tous les documents et les remarques qui sont déjà remontées de la population, puisque vous aviez fait à l'époque déjà des demandes auprès des habitants par rapport au centre-ville, par rapport au moulin, par rapport à Hélio, et donc on s'en est inspiré. Je ne veux pas en dire plus pour éviter justement parce qu'il y a les images puis il y a les paroles aussi. Je ne veux pas travestir les questions qui vont suivre, mais on pourra en parler un petit peu après pour voir si, dans un premier temps, ça répond à ces demandes. Et ensuite, évidemment, le projet n'est pas totalement figé et pourra continuer à évoluer en fonction de cette réunion. Merci beaucoup. Alors, on parle beaucoup des grands moulins ce soir. Tout le monde voit bien ces grands bâtiments en briques absolument magnifiques. Là, il suffit. Alors, pour ceux qui sont au fond de la salle, il suffit de vous retourner. Pour ceux qui sont devant, il faut traverser la salle. Ça va être un peu plus compliqué, ça va faire de la cohue. Mais on sait peut-être moins toute l'histoire de ce lieu. Et je vous propose, avant de commencer, de voir un court documentaire de quelques minutes qui a été réalisé par Cinéam en partenariat avec la famille Soufflet et la communauté d'agglomération Paris Sud et la commune de Corbeil-Essonne. Et alors, avant ça, je voulais passer la parole à Nicolas Pierron. Venez. Bonsoir, monsieur. Alors, Nicolas Pierron, vous êtes conservateur en chef du patrimoine. En quoi consiste en gros votre rôle? Et quand vous vous retournez, que vous voyez ces bâtiments, et vous avez travaillé sur toute l'histoire de ce site, en quelques mots, avant qu'on regarde le documentaire que vous avez un peu accompagné, je crois. Qui est une propriété de la région. C'est bon, c'est ouvert. Voilà,
qui a été financé exclusivement par la région Île-de-France. Donc c'est un film de la région Île-de-France que vous allez voir. Parfait. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous, dans les différents endroits et les différents lieux que vous avez pu voir, vous retenez de particulier sur ces grands moulins. Alors d'abord, je me tourne vers Monsieur Ross. Nous avons eu la chance depuis 2018, une chance absolument inouïe à l'occasion de la mutation, je dirais de la double mutation de ce site. Moi, je suis passionné d'industrie, ça va s'entendre dans ce que je vais dire, de pouvoir accompagner donc par le supplément de culture la double mutation industrielle et urbaine de ce site à la veille de la mutation. La convention a été signée en 2018 entre la communauté d'agglomération, qui est chef de projet, la commune, l'entreprise et la région Île-de-France. Et notre mission était, puisque j'appartiens au service patrimoine et inventaire de la région, de faire l'inventaire général du site, selon la tradition de l'inventaire Malraux, de la petite cuillère à la cathédrale. Alors là, c'était presque pareil, du boulon jusqu'au château de l'industrie. Voilà notre mission, et nous avons été accueillis formidablement par l'entreprise qui nous a permis donc de prendre 1200 clichés extrêmement précis de l'ensemble du site, de réaliser 10 films, plus de 10 heures de recueil de témoignages. J'ai passé des centaines d'heures en archives, malheureusement pas dans les archives de l'entreprise qui sont en partie dispersées, mais un petit peu partout en France, et ça nous a permis de, en quelque sorte, réaliser l'autopsie avant transformation de ce site. Alors qu'avons-nous découvert, puisque c'est la question que vous posez? Alors redécouvert, parce que modestement, en consultant les bibliographies existantes, on voit qu'il y avait quand même quelques acquis, mais on a recréé un continuum en insistant sur les grandes périodes de l'histoire de ce site, d'abord depuis effectivement le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, une histoire assez méconnue qui est celle des moulins du roi, premier moulin. Ça, le site, il est occupé depuis le XIe siècle, oui, c'est voilà. Ça, ça fait, en fait, ça fait 1000 ans que c'est occupé. Voilà, Tourlouis-le-Gros, et puis les moulins à peu près contigus, en surplomb sur l'Essonne, avec des roues en contrebas, on voit ça sur quelques gravures du XVIIIe siècle. Ensuite, le grand événement, c'est l'apparition au milieu du XVIIe siècle d'une manufacture de buffles. On a fabriqué ici des plastrons pour l'armée française, c'est l'armée de Louis XIV qui a profité de cette industrie extrêmement nuisible. C'est pas l'industrie, l'industrialisation et ses nuisances vont de concert depuis le XVIIe siècle, pas seulement depuis la révolution industrielle ici à Corbeil, avec, il faut imaginer, la grande place ici couverte de pieux qui permettaient de mettre en suspension les toiles, les pots pour qu'elles sèchent. Sur l'ensemble de la plate de la République. Hein. C'est assez impressionnant comme paysage. Deuxième grande phase, celle des moulins des Hospices, où puisque vous rêvez de découvrir l'Essonne, ça m'a beaucoup amusé, on avait deux grands bâtiments du moulin des Hospices qui fournissaient la farine pour tous les malades parisiens, de part et d'autre de l'Essonne. Ça, c'est le 18e et le début du 19e siècle. Ensuite, la grande révolution des Darblais, milieu du 19e siècle. Ensuite, un deuxième grand moulin, et là on entre dans le patrimoine seulement, vous voyez. Donc tout le travail qu'on a fait consiste à associer patrimoine, histoire et mémoire. Donc le premier vestige le plus ancien du site, c'est le grand bâtiment qui est dans le prolongement, voilà, qui est masqué par cette Le très grand, très long, là. Non, pas le très grand, très long. Le plus ancien bâtiment du site, c'est celui qui est le plus proche de nous, qui a cette structure avec, vous savez, des harpes. Des chaînes d'ancles en arpe en ciment qui recouvrent une maçonnerie de Molière. Ça, c'est le bâtiment le plus ancien. Et après de 1880. Ensuite, celui de derrière, le grand moulin, ce sera le cinquième, hein, déjà le cinquième sur le site, le grand moulin de Gene Haug à l'américaine. Je vous invite à le regarder. À regarder, si vous aimez le baseball américain, le grand warehouse de Baltimore, des Orioles, qui a été reconverti donc en grand warehouse américain, qui a été reconverti en stade de baseball. C'est à peu près le même genre d'architecture. C'est le rêve américain d'un grand entrepreneur français de l'époque, propriétaire des Grands Moulins de Strasbourg. Et finalement, et c'est pour ça que vous y voyez des fire escapes le long, hein, puisque c'est une référence à l'architecture américaine. Ensuite, on y a redécouvert deux magnifiques centrales, celles que vous avez là, qui témoignent de la phase de développement des usines
avant le raccordement au secteur, des usines à l'électricité, c'est l'ère de l'électricité, et le prestige de l'électricité s'affiche par le prestige de l'architecture. Enfin, on y a découvert, je termine là-dessus, et j'ai essayé de vous faire une transition avec le film, on y a découvert des hommes, on y a découvert l'équipe très très attachante de Moulin Soufflet, et on ne pouvait pas se contenter de travailler juste sur la manufacture de buffles, on a travaillé sur l'histoire et de ceux qui ont nourri la France et le monde durant les Trente Glorieuses, puisque là on est complètement hors échelle, hein, on parle de corbeille, mais moi quand je regarde ça, c'est la France et le monde. Hein. Alors on va voir ce que donnait... Et ils nous ont raconté tout ça, ce qu'ils nous ont dit. Et on espère que j'ai mis en boîte et ça continue. Merci beaucoup, on découvre... Quand on arrivait, qu'on avait fini l'école avec le certificat d'études que j'ai eu, seul diplôme, puisque je n'en avais pas d'autre, ma mère n'avait pas les moyens de nous payer des études, donc j'ai tout de suite été au boulot. De toute façon, ce n'était pas compliqué à l'époque, hein. C'était la sortie de la guerre. Donc il fallait y aller. Voilà, alors on a été au travail. Sorti de la troisième, je ne savais pas quoi faire et tout, et donc mon père m'a dit, bah, écoute, tu iras à l'école de meunerie qui se trouve à Paris. Je suis arrivé à l'école de meunerie un peu par hasard, par un copain qui m'avait présenté cette école quand on était en seconde à l'époque. J'ai travaillé pendant 39 ans et 11 mois, je n'ai pas fait les 40 ans, pour les grands moulins de Pantin et les grands moulins de Corbeil. Je suis rentré à Corbeil le 1er mars 1979. Avant, il y avait presque 600 personnes qui travaillaient ici. C'était une ville dans la ville, donc quand ils m'ont fait la visite, c'était quand même grand, donc j'étais impressionné. Dans les années 91-92, c'est là où on est arrivé au maximum de la capacité du moulin, où le moulin pouvait écraser 50 000 tonnes de blé mensuellement. Et il y avait un train de 1200 tonnes de farine qui était expédié par jour. Le moulin fait 60 mètres. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait des machines partout et à tous les étages. Et c'est vrai que quand je suis arrivé le premier jour à Corbeil, je me suis dit « Waouh !» Aujourd'hui, il y a encore plus de 450 moulins en activité. Une surcapacité chronique qui existe, hein, qui amène à une très forte compétition sur les prix et qui nous amène notamment, et c'est le sujet d'aujourd'hui, à revoir nos outils en particulier pour les rendre très compétitifs. Et c'est toute cette mutation qu'il faut accompagner avec les changements et les accompagnements qu'il faut au niveau des hommes, hein, et ça c'est très important. Ça prend du temps, mais c'est assez passionnant. Moi, ça fait 20 ans que je suis au laboratoire de Corbeil. J'ai commencé en tant qu'intérimaire. J'ai un BTS en chimie. Donc la meunerie, c'est vraiment un milieu très particulier. Et donc j'ai tout appris ici. Je suis actuellement responsable du fournil de Corbeil. Je suis boulanger de métier. Et là, quand je suis arrivé ici, c'est là que c'était super intéressant parce que c'est la face cachée que je ne connaissais pas du tout, quoi. Je suis rentré chez Moulin Soufflet en 1992, donc ça commence à dater. J'ai fait plusieurs fonctions dans le groupe, hein, mais toujours auprès de la boulangerie artisanale. De fil en aiguille, ben, j'ai repris la responsabilité des ventes au niveau national chez Moulin Soufflet.
Actuellement, je suis correspondant crédit manager en boulangerie artisanale sur la région parisienne. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans le groupe Soufflé. Les trois quarts des gens pensent que le moulin ne tourne plus et que c'est des bâtiments abandonnés. Quand on dit qu'on travaille au moulin de Corbeil, oh, ça fonctionne encore. Bah oui, ça tourne et ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui est intéressant dans le projet qu'on a, c'est qu'on peut faire côtoyer le 11e siècle et le 21e siècle. Non seulement c'était un moulin, quand on va faire un tour dans le moulin, mais encore en plus, il y avait un côté esthétique. Il fallait que ce soit beau. Rechercher, retrouver le goût. Il y a une relation de... On va écouter. Il y a une vraie relation amicale. Tous ceux qui sont apparus dans ce film, assez impressionnant. Et j'ai à côté de moi Eric Ross. Bonsoir monsieur. Donc on voit dans le film, vous êtes directeur général des moulins. Et donc en gros, vous partez pas, quoi. Bonsoir. Non, je pense que vous avez peut-être dû voir ou mal voir, mais il y a un bâtiment un peu moderne qui s'est glissé au sein de toute l'architecture historique, qui est le nouveau moulin qu'on a construit, parce que on avait un des bâtiments anciens, la surcapacité, il faut s'adapter, et puis surtout répondre aux besoins actuels en matière d'hygiène, sécurité alimentaire, traçabilité. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec des blés conventionnels, on travaille avec des blés tracés, on a de la blockchain, et on a mis en place... Et on va mettre en place toute une série de technologies de base 4.0 pour pouvoir effectivement garantir cette sécurité alimentaire. Donc on reste présent plus que jamais et on va perpétuer cette historique millénaire que Nicolas Pierrot a développée. Et alors aujourd'hui, c'est combien d'employés sur le site ? Alors il y a l'activité de moulin qui représente à peu près 80 personnes, mais c'est aussi le siège de Moulin Soufflet, c'est le siège de l'activité ingrédiente, donc c'est à peu près 250 personnes. Et donc il y a 250 personnes sur le site. J'imagine que quand vous allez regarder depuis votre fenêtre vos futurs voisins, ceux qui vont occuper le nouveau projet, vous avez envie de leur dire des trucs à vos futurs voisins. Qu'est-ce que vous attendez de ce futur projet ? Je pense que dans le cadre de cette rénovation qui a été évoqué, c'est d'attirer effectivement nos futurs employés. On va avoir besoin de gens qualifiés, on va avoir besoin d'attirer des jeunes sur des métiers qui sont devenus complexes, très techniques. Je pense que la meunerie est un métier particulier, très mal connu malheureusement, mais enfin bon, c'est un des plus anciens métiers du monde. On écrasait du blé en Égypte en préhistoire, donc c'est vraiment un savoir-faire, et ce savoir-faire, j'allais dire, il faut le perpétuer. Donc il faut attirer la jeunesse, parce que c'est un très beau métier, très noble, et très enrichissant. Merci beaucoup. Alors je vais passer la parole à Axel Marcadier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous travaillez chez Histoire et Patrimoine, vous êtes directrice du développement chez Histoire et Patrimoine. J'imagine que quand on a affaire à un monument patrimonial comme celui-là, ça doit faire un petit peu des frissons. Enfin, qu'est-ce que vous éprouvez au moment où vous découvrez pour la première fois ce site et quelles responsabilités vous donnez ? Voilà, alors le groupe Histoire et Patrimoine travaille partout en France sur des monuments exceptionnels, des abbayes du XIIe siècle jusqu'au tournuage du XXe siècle à Nanterre. Donc du patrimoine, on en voit tous les jours. Des grands moulins, on en voit tous les jours, partout en France. Et il est assez rare, croyez-moi, d'en voir d'aussi beaux, d'aussi historiques et d'aussi incroyablement placés dans leur cœur de ville. Donc, croyez-moi, c'est très émouvant quand un groupe comme le nôtre, accompagné d'experts comme on en a ici, à la fois auprès de la ville, auprès de l'entreprise Soufflet, du groupement, mais aussi des interlocuteurs de l'État, l'architecte des bâtiments de France, la région qui vient de parler,
C'est très intéressant de faire ce travail de groupe et d'aller ensemble monter un projet qui va permettre de voir arriver de nouveaux habitants et de garder et sauver ces bâtiments-là dans cet esprit-là. On en est tous très fiers et évidemment, on a hâte de pouvoir continuer le projet. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous fait le plus peur et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir au moment de travailler sur un projet, de découvrir un projet comme celui-là ? Alors, ce qui nous fait le plus peur, c'est évidemment les petites découvertes techniques qui arriveront au fur et à mesure, puisque vous avez bien vu, le moulin est aujourd'hui encore encombré d'un certain nombre d'équipements industriels, extérieurs, peu esthétiques, on va dire. Et au fur et à mesure, on va mener les études qui vont nous permettre de le déshabiller doucement et de le redécouvrir dans sa plus belle parure, sa parure historique du début du 19e, on peut dire. Donc ce moment-là va être un tout petit peu stressant, mais on en a hâte. Et en même temps, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir que nous n'allons pas figer l'histoire, nous n'allons pas revenir à un temps ancien, nous allons aller vers l'avenir, et ça, c'est quand même très important. Alors, je parlais d'envie et de crainte. Quand on a écouté ce que les habitants de Corbeil ont dit dans les précédentes fois où ils ont été interpellés, c'est un peu ces sentiments mêlés qui sont remontés. Ce que je vous propose, c'est avant de vous donner la parole, d'écouter ce que vous aviez dit dans les précédentes étapes initiées par la mairie de Corbeil-Essonne. Il y a quand même une identité assez particulière étant donné que c'est une ville assez ancienne. Après, je pense que c'est une ville où il y a beaucoup de quartiers, donc beaucoup de mixité, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi. Ça crée une nouvelle identité plus moderne et qui ressemble plus à, je veux dire, la France d'aujourd'hui. Corbeil-Essonne, pour moi, a beaucoup d'atouts. On est à la limite de la campagne et de la ville. Corbeil est une ville dortoir quand même. Ce n'est pas une ville vivante. On est rogné un peu. On est délaissé. À chaque fois, il y a des maires qui sont élus. Personnellement, moi, je suis là depuis 18 ans. Il n'y a rien qu'à changer. On a envie de quelque chose de concret. On a envie que notre ville avance. On a envie que les gens avancent. On a envie que nos enfants évoluent. C'est une ville, je dirais, qui demande à repartir. Il lui faut quelque chose pour redynamiser. Peut-être le centre-ville. Il faudrait un petit peu de rénovation parce que ça fait un peu vieux, ça fait un peu ancien. Ça changerait que les habitants ils passeraient plus de temps là-bas pour avoir un vivre ensemble. Centre-ville, je le situe clairement sur la place du marché, à partir de la gare, la mairie. Ça m'évoque un patrimoine architectural qui est quand même assez riche. Le cloître, c'est des bâtiments qui sont remarquables. On peut parler des moulins, parce que bon, quand on arrive sur Corbeil et qu'on ne connaît pas la ville, c'est quelque chose, tout de suite, on se dit ouais, où est-ce qu'on arrive. Pour moi, le centre-ville, ça m'évoque distance, parce que d'ici, c'est pas à côté. Il est beau, il est joli, hein, franchement, il est très agréable et tout. Mais il manque un petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller plus souvent. Il ressemble pas à grand chose, l'ancien centre-ville. Donc pour des jeunes comme nous, je sais pas ce qu'on irait faire là-bas. Il y a rien, je sais pas. Il y a une boulangerie, un parking qui fait la taille de notre quartier un peu. On a une bonne base en termes, je trouve, de patrimoine et d'architecture. Ça mériterait une dynamique de développement. Le centre-ville de mes rêves aurait une zone de petit commerce avec une certaine originalité dans ce qu'il propose, de la création, de l'artisanat. Qu'il y ait au moins des terrasses avec des restaurants, des bars, de la convivialité. Un endroit où tout le monde peut y aller, les enfants, les parents, des musées, des expositions, des petits concerts par-ci par-là, des activités. Le fait que justement les Grands Moulins soient juste à côté du centre-ville, si on incube les nouveaux petits commerces là-dedans, derrière on réhabilite les boutiques qui sont vides pour recréer de la vie justement dans ce centre-ville. Faut pas faire n'importe quoi avec les moulins. Ça doit rester dans la mémoire. Pour que les gens se souviennent ce qu'était Corbeil. C'est toute une histoire, voilà. C'est l'histoire de Corbeil en définitive. C'était
un milieu ouvrier. Elle a perdu de son identité, parce que j'ai l'impression que Corbeil, maintenant, c'est une ville dortoir, c'est une ville morte. Maintenant, c'est plus ce que c'était autrefois. Quand je suis arrivée en 87, le site était déjà assez abîmé. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour qu'un monument comme ça reste dans l'histoire de la ville. Ouvrir notre ville, en fait, qu'on ne reste pas centré sur nous. Non, il faut que les gens connaissent Corbeil-Essonne. Et ce qu'on y a fait, ce n'est pas que les Tarterets et les problèmes avec mon conseil ou les pyramides. On est une ville à part entière, en fait. Pour que ça marche, il faut communiquer. Après, c'est aussi au moulin de donner cette attractivité, de faire les choses, en fait. Si l'image change de Corbeil, je pense que les habitants de Corbeil se sentiront mieux. Pour que ça soit une réussite pour les gens de Corbeil, ça serait qu'ils fassent des choses qui conviennent à tout le monde. Les grands, les petits, les gros, les maigres, ce que vous voulez, quoi. Les noirs, les blancs. Il faut que ça soit pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se mélanger, avoir un petit peu chacun son choix d'activité. Vous savez, ça fait comme le port aux cerises à Draveil, il y a tous les gens qui y vont, hein, que ce soit de tous les alentours. Donc s'ils font une sorte de truc comme ça où ça plaît à tout le monde, et puis oui, je pense que ça ramènera pas mal de personnes des alentours. Hein. À partir du moment où ça ramène des personnes, moi, si ça peut me les ramener dans mon restaurant, c'est tout un bonus. Hein. Je préfère qu'il reste un monument de Corbeil. C'est joli, c'est vieux, c'est une histoire. Ça fait penser des vieilles histoires de comment ils font la farine, plein de choses. Par exemple, mes enfants, ils me disent, c'est quoi ça? Je dis, c'est ici qu'ils font la farine, et la farine, elle fait le pain et tout. Mais ils ne comprennent pas, ils ne voient que des murs pour ce soir ici. Il faut aussi des animations, des activités pour les enfants aussi, des ateliers pour faire du pain. On pourrait peut-être limite rendre aussi cet endroit pour recréer de la vie dans la Seine aussi. L'eau est hyper présente à Corbeil-Essonne. On a les bras de l'Essonne, l'Essonne porte un S parce qu'il y a plusieurs bras de l'Essonne. Il y a la Seine qui crée une frontière entre Corbeil et Rive-Droite. Et je pense que cette idée de travailler sur l'eau permet peut-être de se rapprocher davantage de Rive-Droite, qui est hyper excentrée. C'est une Seine un peu silencieuse et un peu inaccessible pour tous, alors que tout le monde aimerait aller sur la Seine, quoi. Ce qui est important, c'est l'écoute des habitants, surtout. Garder une écoute humaine du projet, quoi. Parce qu'aujourd'hui, des villes, il y en a beaucoup. Avec des centres-villes sympas, il y en a beaucoup. Et que si on veut garder une bonne dynamique, il faut garder les habitants. C'est les habitants qui font une ville, c'est pas l'inverse. Je pense que c'est vraiment important de garder cette idée-là et que les promoteurs oublient peut-être un petit peu du fait de l'argent. Parce que quand il y a un truc qui se vend, souvent c'est des promoteurs, c'est de l'argent, donc on veut de la rentabilité, donc on fait des logements. Après, ça a fuité un petit peu sur le net, je ne sais pas ce qui va en être finalement, mais il y avait parlé de logements de luxe, etc. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. L'important, c'est de garder l'identité de la ville, je pense. Le rayonnement, c'est très important. Que ça dépasse la limite de la commune, pour attirer des gens différents, pour que les gens se rassemblent, se parlent, se comprennent. Il y a beaucoup de petites communes autour qui sont maintenant qui se développent et qui pourraient aussi venir à Corbeil. Et il faudrait aussi qu'il y ait quelques immeubles de standing pour que ce mélange de population se fasse dans de bonnes conditions. Tout ça, c'est dans le but de que les communautés se réunissent, se comprennent et s'acceptent. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Aux promoteurs qui reprennent le moulin, Corbeil est une ville avec beaucoup de potentiel. Et si vous voulez réussir n'importe quel projet, ce que je voulais vous dire, c'est n'oubliez pas les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui recherchent des stages ou qui recherchent un emploi, mais qui peuvent pas forcément prendre dans la ville de Corbeil, qui sont obligés d'aller très loin, Versailles, Paris. Ici, on revalorise les diplômes, on revalorise les gens. J'ai mon diplôme à Corbeil, j'habite à Corbeil, je travaille à Corbeil, je consomme à Corbeil. Les conditions de réussite du projet des Grands Moulins, c'est une transparence et une honnêteté éthique. Il faut vraiment qu'il y ait des appels d'offres et que les entreprises qui soient choisies, elles soient là pour travailler et pas pour juste gonfler la facture à la fin. Je vous dis ça parce que Corbeil a un passé avec les équipes municipales et les entreprises et des élections assez sulfureuses. Et il ne faudrait pas en rajouter une couche. On aura réussi ça quand il y aura une notion de rassemblement, une notion de partage finalement.
et tout en étant accessible en fait. Par exemple, c'est une idée, hein, des concerts, des débats, il faut que ça soit actif en fait, parce que ce qu'on reproche beaucoup au centre-ville de Corbeil, c'est qu'il soit mort. Et le passage attire le passage, donc c'est un cercle vertueux en fait. Soyez bénéfique à la ville de Corbeil, faites pas que ça éventuellement pour l'argent, même si on sait qu'il y a une notion financière, mais essayez de faire les choses bien. Écoutez-nous, on est là. Lisa Potiron a le micro. Lisa, je te laisse gérer avec Salima et Hugo. Je sais pas qui a le micro, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez de ce qui va être présenté et du projet des Grands Moulins? Madame, je vois que vous êtes là, allez-y. Monsieur, madame, je sais pas, vous êtes loin là. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir déjà. On est en semaine et... Vous avez libéré du temps, donc preuve que ça nous intéresse tous. Pour répondre à votre question sur les Grands Moulins, ce qu'on veut, je pense, ce qu'on veut tous ici, c'est conserver le monument principal et y apporter une plus-value. Comme vous avez parlé, on veut pas toucher la façade, c'est une façade historique, mais on veut amener de la vie, on veut amener du passage, on veut amener des gens qui sont là pour visiter. Merci beaucoup. Vous venez de dire ce qui vous fait envie. Et là, au moment de découvrir le projet, qu'est-ce qui vous fera vous dire, vous, c'est bien, c'est pas bien ? C'est bien, c'est pas bien. Ce qui me fera dire que c'est bien, c'est qu'on écoute la ville de Corbeil, qu'on écoute ses habitants, et que ça soit accessible à tout le monde. Que ça soit pas accessible juste à une catégorie de personnes, que ça soit accessible à toutes les cultures, toutes les classes sociales, tous les âges. C'est ça qui me fera dire que le projet est bien. Merci. Alors, je ne sais pas où est le micro. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Allez-y, parlez dans le micro. Alors, moi, j'aimerais plus parler en fait du côté culturel. Je pense que ça a été déjà dit au cours des vidéos qu'on a vues. Et... On va la refaire. Alors, je disais, je suis Gavos et Joël. J'habite sur Corbeil, ça fait pas plus d'un an. Donc, je voudrais plus parler de l'aspect culturel, qui m'a déjà beaucoup plu, de ce que j'ai pu entendre déjà et des vidéos. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions, de mauvaises solutions. Je pense que toutes les solutions sont bonnes. Mais moi, j'aimerais apporter mon idée de sorte à ce que ce soit complémentaire. Et je pense plus à un musée, en fait, au niveau de ce qui a été dit, mais plus un musée qui pourra permettre aux jeunes de demain, dans le long terme, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des images. Et quand je dis des images, c'est-à-dire une conservation, en fait, Cette mémoire dont on vient de parler. De ce qui a été fait par le passé. Merci beaucoup, madame. Allez-y, vous avez la parole. Levez-vous, présentez-vous. Parlez bien, bien dans le micro. Je suis madame Fortin-Paris, je suis habitante... Attendez, il y a un problème de micro. Oui, alors je me présente, moi je suis madame Fortin-Paris, je suis habitante des Tarterets. Et en fait, moi, je pense que pour redonner de la vie vraiment au centre-ville et aussi au moulin, c'est comme il a dit le monsieur, intégrer nos enfants. Parce que nos enfants, ils ne connaissent pas leur ville en vrai, de vrai. Ils ne connaissent pas vraiment l'histoire de notre ville parce qu'on parle du Moyen-Âge. Mais il y a aussi ce qu'il y avait avant, parce qu'on a aussi du paléolithique aussi dans notre ville. Et ça, c'est un circuit qu'on pourrait mettre en place avec la mairie, faire ce circuit-là, venir au centre-ville, y intégrer, comme j'avais dit, moi, dans le film reporter, intégrer un boulanger qui fait vraiment des trucs à l'ancienne, qu'on puisse aussi faire des activités en tant que parents délégués. Enfin, je pense que ça pourrait vraiment intéresser nos enfants. Et c'est eux qui vont ramener la vie et qui vont ramener ce côté familial, parce qu'on va tous se regrouper autour de nos enfants. Oui, vous dites, vous êtes une habitante des Tarterets, on entend que ça soit un lieu où tous les quartiers de la ville viennent et pas juste le quartier des centre-villistes. Quoi. Ben, on veut que nos enfants apprennent à vivre ensemble. Mais c'est déjà savoir se connaître aussi dans notre ville. Et à quelles conditions les enfants de tous les quartiers de Corbeil auront envie de venir là ? Aux conditions que nous, les parents, soyons intelligents et qu'on se lie ensemble pour faire les choses, en fait. Merci, madame.
Alors, je ne sais pas où est le micro. J'ai vu qu'il y avait deux personnes qui demandaient la parole devant, mais je vois que vous êtes au fond. Allez-y. Je ne sais pas qui a le micro. Il n'y en a qu'un. On va en récupérer un deuxième, alors. Allez-y, allez-y. Il est ouvert, normalement. Oui, bonsoir à tous. De Le Porte, ingénieur consultant. Ma question est, bien sûr, sur la connaissance par les jeunes de l'historique de cette entreprise. Ma question, est-ce que le groupe Soufflet prévoit de faire visiter l'usine une fois avant qu'elle ne soit détruite, dans ce qui est son appareil de production? Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'accès à l'Essonne qui passe dessous va pouvoir être respecté pour la copropriété, voire pour les corbeilles essonnois et pourquoi c'est important? Parce que l'Essonne est essentielle dans les villes et que malheureusement, on ne la voit pas dans son débouché sur la Seine. Pour moi, ça me paraît très important. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent au fond. Et puis, je vais revenir. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas qui a le micro. Allez-y. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Annie Thiriot. Je suis une corbeille essonnoise depuis de nombreuses années et agent immobilier. Ce que j'espère, en tout cas, sur ce site des moulins, c'est qu'on respectera l'architecture, le moulin, le patrimoine. Je déplore malheureusement la façade du tribunal qui pour moi est vraiment détruite à tout jamais et on a beau essayer de nous faire croire qu'on va la remonter, c'est vraiment utopique. Donc j'espère qu'il n'en sera pas de même pour les grands moulins. Moi, je les ai connus depuis toujours et c'est vraiment important. Alors après, on peut discuter sur les différents choix pour l'avenir de ces grands moulins, mais vraiment, s'il vous plaît, respectez cette architecture qui vraiment fait l'originalité de Corbeil et qui parfois a été un peu détruite et je trouve ça très dommage. Merci madame, on verra et on vous repassera la parole. On vous repassera la parole juste après la présentation pour que vous nous disiez ce que vous pensez de ce que vous avez vu. Monsieur. Oui, moi, ce que je tiens à dire, on a la chance d'avoir deux réalisations voisines. On a Crété et on a les Grands Moulins. Je crois qu'il est absolument indispensable que ces deux institutions, ces deux promoteurs, pas c'est pas des institutions, ces deux promoteurs, devraient avoir des contacts réguliers en ce qui concerne les activités qu'ils vont faire dans chacun de leurs établissements. Je pense, un, que le premier rôle de ces deux établissements, c'est de créer de l'emploi. Si on construit pour construire ou pour avoir, c'est utile, mais l'indispensable, c'est la gamelle. L'autre chose, il faut des activités qui puissent intéresser tout le monde. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on maintienne, si j'ai bien compris, une activité grand moulin dans le site, avec une production. Ça, c'est intéressant. C'est dommage que dans le côté Crété, j'y avais pas pensé, qu'il n'y ait pas aussi ça qui existe. Parce que Corbeil-Essonnes, c'est une ville de tradition où des gens ont travaillé. Moi, j'ai connu les Grands Moulins, j'ai soutenu des actions des travailleurs des Grands Moulins quand ils en avaient, parce que c'était pas toujours la rigolade, n'est-ce pas? Comme dans toutes les entreprises. Et là, je souhaiterais, moi, que dans ce secteur-là, ils se mettent en place des activités qui puissent intéresser toute la population. Alors, c'est Merci. Facile à dire, c'est pas facile à faire, je le sais. Mais pour ça, il faut vraiment, pas forcément faire des réunions à 300 personnes. C'est bien. Mais si on veut vraiment avancer, il faut peut-être voir à des réunions plus réduite, je ne dis pas qu'il faut envoyer trois personnes, plus réduite, où on peut vraiment discuter et pas seulement s'envoyer chacun ses vérités à soi. Ça marche. Eh bien, écoutez, je vous propose de découvrir tout de suite avec Gaëtan Varny et toute l'équipe
le temps de récupérer un micro. Ce que vous avez réfléchi, et peut-être au passage, au fur et à mesure de votre présentation, nous dire ce que vous entendez dans ce que nous ont dit les habitantes et les habitants de Corbeil qui viennent de s'exprimer sur le fait qu'ils attendaient un lieu de vie, qu'ils attendaient du respect pour le patrimoine et l'histoire de la ville, qu'ils attendaient des espaces publics, l'Essonne. Voilà, qu'est-ce que vous faites et comment vous répondez à tout ce qui vient d'être dit ? Effectivement, j'ai noté quelques termes, quelques petits mots. J'ai entendu souvent reparler de le lieu de vie, redynamiser le centre-ville, que ce soit des activités pour tous, que tout le monde puisse se réunir dans ce centre-ville, qui puisse être réapproprié par les habitants de Corbeil et qu'il y ait une envie de revenir dans le centre-ville. Après, sur le patrimoine aussi, sur toute la partie patrimoine, et faire attention... et réhabiliter et garder ses façades et pas abîmer les façades comme sur d'autres bâtiments. J'ai entendu parler aussi de centre culturel, mémoire du site et de l'Essonne, bien évidemment, dont on parlera aussi. Donc je vous propose de dérouler toute cette présentation. C'est tous ces messages que je viens d'évoquer, c'est des choses qu'on avait entendues déjà à l'époque sur la première année, enfin on l'a vu d'ailleurs dans le film puisque c'était en 2020, en 2021. Donc c'est déjà des choses qui avaient nourri notre discours et nourri notre conception, et j'espère que dans la présentation qu'on va vous faire, vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments et de réponses déjà à vos questions. Et je pense qu'il y a un temps d'échange qui est prévu après, voilà, pour y répondre. Donc, rapidement, ça c'est l'équipe projet. On a une équipe pluridisciplinaire assez importante dans le cadre de la conception. Les porteurs de projet, donc c'est Histoire et Patrimoine et Altaria Cogim Développement Urbain, qui font partie du même groupe Altaria. On est accompagné d'architectes, de deux architectes, un architecte urbaniste Vincent Lavergne et un architecte Maes, d'une paysagiste Olga Tarasso et de nombreux bureaux d'études, ainsi que certains partenaires dont on vous expliquera un petit peu plus l'intérêt dans le projet, notamment BOA pour la mise en lumière, Objectif Ville qui nous a permis d'avoir un bon ancrage territorial dans les activités qu'on va proposer dans le cadre de ce projet, et enfin O'Sullivan qui est représenté par Greg Smith ici, qui vous en dira deux mots après. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Vincent. On va essayer de faire court. Bonjour. On me demande d'aller vite parce que je parle beaucoup, paraît-il. Alors, je voudrais juste dire qu'on est absolument passionné par ce sujet. On est conscient de la chance que c'est de pouvoir travailler sur des sujets pareils, puisque au-delà de l'avenir du centre-ville de Corbeil, c'est toute la métropole parisienne et toute la région Île-de-France qui regarde ce projet et de comment, par la transformation de ce patrimoine industriel, on va être en mesure d'inventer la ville de demain. Une ville qui va être capable de ne plus séparer les différentes fonctions de la ville, comme toutes les Trente Glorieuses et toute la modernité, mais d'hybrider, d'assembler, de relier. Et moi, je voudrais dire aussi que j'ai grandi à Mennecy, que mes parents faisaient leurs courses à Villabé et travaillaient dans la zone industrielle de l'Églantier à Lys, et donc que je connais les problématiques de ces territoires où on a besoin de la voiture, et que j'ai l'impression qu'ici, on est en mesure de faire ce que j'aurais aimé toute mon enfance, c'est-à-dire beaucoup plus de liens, beaucoup plus de proximité et beaucoup plus de mixité dans un univers qui était très sectorisé. L'autre chose aussi, c'est que je voudrais quand même remercier Gaëtan, pour moi c'est Gaëtan, Robin et Axel, qui nous ont laissé beaucoup de liberté, parce que je pense que notre passion pour l'histoire de l'industrie, l'histoire de la métropole parisienne, qui nous relie Luc, qui rénove des sites industriels un peu partout en France, Olga qui a travaillé sur la transformation du port de Barcelone et de l'image de Barcelone telle qu'elle est aujourd'hui, et puis moi-même, on s'est vraiment retrouvés autour de cette idée de comment mettre la transformation des grands moulins au service de l'évolution du centre-ville de Corbeil et au service de l'évolution de Corbeil. Donc c'est vraiment comment faire sauter ce bouchon de façon à ce que Corbeil retrouve une relation à la Seine, une relation à l'Essonne, donc on va parler de tout ça, et en fait comment est-ce que la transformation des moulins permet de travailler sur cette notion de résilience, qu'on parle beaucoup, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, et bien c'est comment est-ce qu'un environnement urbain, naturel, avec social, productif, va être capable d'agglomérer et de transformer tout ce qu'il a fabriqué depuis tant et tant d'années de façon à faire
quelque chose de fondamentalement collectif et de fondamentalement partagé. Et donc ce n'est ni un projet immobilier, ce n'est ni une œuvre architecturale, c'est vraiment un processus de transformation de la ville contemporaine, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sens et on a beaucoup de chance. Peut-être on peut avancer un petit peu plus. Ah oui. Merci. Merci Vincent. Luc Mas, enchanté, architecte au sein du groupe Mas Architect. On est vraiment spécialisé dans la réhabilitation patrimoniale. Et voilà, comme beaucoup d'acteurs ici, on a commencé à travailler sur le site avec beaucoup de plaisir et surtout en se documentant, en essayant de rechercher l'histoire du site, essayer de comprendre les enjeux, écouter aussi ce que vous aviez à nous dire, vos impondérables, parce qu'on s'est nourri aussi bien des entretiens qui ont été faits avec vous et aussi avec les études qui ont été très bien menées en amont sur l'histoire de ce lieu. Et notre suite, notre souhait vraiment le plus profond, c'est de perpétuer cette monumentalité du site, de garder l'histoire du lieu et de surtout pas dénaturer ce qu'il en a été et ce qui, au fur et à mesure des siècles, voilà, c'est un site qui est en constante mutation et qu'on souhaite préserver et réhabiliter. Donc, dans nos quatre grands enjeux qu'on avait soulevé depuis dans vos envies, c'était de reconnecter bien sûr ce site avec le centre historique. On voit la rue Notre-Dame là, qui vient se prolonger à l'intérieur du site, et notre souhait, c'est de retrouver cette continuité naturelle, de redécouvrir l'Essonne. Donc c'est vraiment un des autres enjeux qui avait été soulevé, et donc c'est quelque chose qui est à l'étude pour essayer d'en revoir maximum à l'intérieur du site, comme on peut voir ici en haut à droite. De garder bien sûr ces deux grands frontons monumentaux qui marquent la ligne, la skyline, comme on dit, de Corbeil-Essonne, et qui montre vraiment l'identité forte de la ville de Corbeil, et de retrouver aussi cette architecture des moulins qui a une histoire très riche et qu'on souhaite respecter le plus possible, restaurer, tout en lui donnant de nouveaux usages et de le redonner vie au sein de ce projet. Donc, parce que les enjeux et la situation sont relativement complexes, on a essayé de faire un projet très simple qui se présente comme, on a rêvé, comme l'intersection entre deux grands mouvements. Un premier mouvement qui est parallèle à la Seine, qui est la relation entre le patrimoine médiéval du centre-ville et le patrimoine industriel des moulins, et comment faire une unité et une urbanité relativement unitaire avec ces différentes époques. Et puis un axe le long de l'Essonne, perpendiculaire à la Seine, qui est la reconnexion de cet équipement industriel qui va devenir un équipement urbain à son milieu naturel, avec la redécouverte de l'Essonne et la création d'une, ou en tout cas la création d'une confluence entre la Seine et l'Essonne qui existe déjà mais qui a été dissimulée sous l'activité industrielle. Et donc il y a tout un travail de désartificialisation et de déminéralisation du site qui pour nous symbolise un peu le passage de ce process industriel à ce processus de transformation urbaine. Voilà, donc comme l'a dit Vincent, au fur et à mesure des années, c'est un site qui a évolué dans son temps. Ça fait maintenant près de 8 siècles qu'il est en constante mutation. L'activité a fait qu'il y a des silos petit à petit qui sont venus se connecter au bâtiment des magasins. Il y a aussi le bâtiment des moulins qui crée cette grande frontière nord-sud. On a le bâtiment des ateliers en bas qui crée la rotule le long de l'avenue d'Arblay. Et donc notre souhait premier, bien sûr, c'était de retrouver les volumes historiques, sous les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, et de retrouver une harmonie, une lisibilité de ces différents volumes qui sont venus suturer le site petit à petit. Donc voilà, dans les éléments qui ont été, qui sont venus s'adjoindre au bâtiment historique qu'on avait vu avec les moulins, les magasins et les ateliers, qui sont les trois grandes typologies fortes du site. Notre travail, c'était de déconstruire les adjonctions qui étaient plus de l'ordre fonctionnel et qui n'étaient pas transformables en de nouveaux usages, pour en recréer, on peut le voir par la suite, un urbanisme qui est beaucoup plus de l'ordre de l'urbanisme contemporain, urbain et moins industriel. Donc, comme l'a dit Luc, il y a un premier travail qui est une espèce de grand ménage de printemps. On va venir débarrasser les moulins d'une partie de ces équipements les plus fonctionnels, de façon à pouvoir l'ouvrir à l'air, à la lumière et à la vie urbaine. Donc on retrouve les bâtiments des ateliers qui sont conservés, et on retrouve cette percée depuis la rue Notre-Dame, puisque la première fois qu'on a vraiment pensé le projet, on était rue Notre-Dame, et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on crée des continuités et pas des quartiers qui se succèdent les uns aux autres? Donc une première perspective a été pensée depuis la rue Notre-Dame, de façon à créer la continuité de ce patrimoine médiéval à l'intérieur même du patrimoine industriel, de façon à faire un vrai projet de centre-ville et d'évolution du centre-ville.
Donc c'est une vue générale qu'on voit ici, qu'on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Et ici, on voit l'ensemble des espaces publics. Je vais passer la parole à Olga qui les a développés. Le plus important, c'est de vraiment penser qu'on a essayé de reconnecter le site à l'ensemble de la trame des espaces publics autour, de façon à faire un grand, enfin de faire en sorte que le centre-ville rejoigne les grands moulins et que l'ensemble ne fasse plus qu'un. Merci. Bon, on fait la morphologie ou la forme de l'ensemble des grands moulins dans le projet, permet d'avoir un système des espaces qui vont d'ailleurs à l'intérieur ou à l'envers, et qui ont chacun d'eux un rôle spécifique, et entre tous forment un continu qui va au-delà du site, et va trouver la ville et va trouver la Seine. La place de la mairie, que maintenant est en certaine mesure obsolète par les conditions qu'elle a, fait le lien entre la ville et le site, mais aussi entre la ville et la Seine, en s'ouvrant vers la Seine, en s'ouvrant aussi vers l'Essonne, vers cette Essonne redécouverte, et vers l'intérieur de l'ensemble parmi une passerelle qui est en même temps balcon sur cette liaison entre la rivière et le fleuve. Bon, il a été toujours important du début, comme Vincent a dit, de trouver, disons, ce lien physique et visuel entre la place publique qui retrouve son rôle historique qu'elle avait eu toujours, et l'intérieur de l'ensemble, en reconnaissant la valeur historique et patrimoniale. Là, on sort de la rue Notre-Dame. Vous montrez, là, on arrive sur la place de la mairie. Pardon, on sort de la rue Notre-Dame et on voit la perspective. Ce qu'on a cherché à faire, c'est créer un paysage de l'ensemble des différentes époques jusqu'au moulin au fond, de façon à créer vraiment des quantités visuelles et des perspectives. Et vous voyez, on voit un peu sur la droite cet enchaînement d'espaces publics jusqu'à la Seine, puisque le principe, c'est quand même vraiment, à travers la transformation des moulins, faire en sorte que Corbeil se réapproprie sa relation à la Seine. Mais voilà, comme on le voit ici. Bon, en fait, là, avec l'enlèvement des limites et l'organisation de tout... comment ? Maintenant ? Ah, excusez-moi. Le résultat est un grand balcon sur la Seine qui a une partie, disons, le long du fleuve, et une partie qui entre en lien avec l'intérieur aussi du site. Et, par exemple, là on voit, je n'arrive pas, mais le dénivelé dont on parlera après, permet d'avoir vraiment un espace un espace mirador sur le grand paysage. Alors on a la grande place publique, le grand espace territorial, disons, cette dimension territoriale qu'on a perdue d'une certaine façon. La passerelle, comme on a dit, est un élément très important parce qu'elle représente ce lien entre les grands moulins et la ville, et en même temps devient balcon sur cette Essonne redécouverte. Le lien entre les différents espaces qui apparaissent le long de l'Essonne et qui entrent dans l'ensemble et qui sont espaces d'utilisation publique, exactement, qui font le lien aussi avec le patrimoine et qui permettent, et ça a été important pour nous, que ces espaces partagés par la ville et par les habitants, en même temps, deviennent un espace de reconnaissance du patrimoine, d'appropriation du patrimoine par tous. Comme on voit ici, les dénivelés, etc., marquent les différents espaces qui font partie d'une seule chose, d'une seule ambiance. Et l'intérieur, comme Vincent a dit avant, il y a une petite placette absolument... comment dire que les espaces d'accès précis
aux logements sont, disons, privés, mais et les autres espaces, les espaces, la reste, sont en continuité. C'est important, oui. Là, c'est important la question des dénivelés que après Vincent va expliquer avec le parking au-dessous, parce qu'elles permettent que la partie la plus privée, mais qui est visible de part de tous, devient très verte et aux mêmes hauteurs des yeux de ceux qui se promènent. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un travail de déminéralisation du site, c'est-à-dire qu'on vient enlever la dalle en béton et les différents remblais qui venaient fabriquer cette plateforme de façon à repermettre à l'eau et à la chaleur de s'infiltrer dans le sol. Et donc, on le voit ici où il y a une grande partie des jardins qui sont à niveau et qui est mis à disposition des habitants et de la totalité des habitants de Corbeil, qui sont des espaces publics. Et il y a uniquement les plateformes d'accès au logement qui sont privatifs. Mais bon, il y a des clôtures assez... Enfin, en tout cas, on a vraiment cherché à fabriquer un maximum d'espaces publics et accessibles au public et faire en sorte que la quasi-totalité de l'emprise de l'intérieur des moulins soit de l'espace public. Et ce passage qui vient de la rue Notre-Dame, c'est clairement fait pour créer une colonne vertébrale d'espace public qui va jusqu'au cœur des moulins de façon à ouvrir l'intérieur même des moulins sur l'espace public. Donc on voit ce jardin qui est accessible au public et qui est travaillé de manière à réduire, à augmenter l'îlot de fraîcheur et à réduire l'îlot de chaleur qui était auparavant. Et puis on travaille avec des espaces aussi en décaissé, puisque on cherche à refabriquer du paysage intérieur et à fabriquer de la fraîcheur. Et donc on crée des petits bassins de rétention qui vont être en mesure de récupérer l'eau en cas de crue et de permettre l'accès à pied sec, la continuité de la circulation à pied sec, même en cas de crue. Et ça nous permet aussi, et ça c'est quelque chose d'intéressant pour les architectes, c'est que ce dispositif nous permet de mettre à distance des logements du rez-de-chaussée et de faire en sorte que même les logements de rez-de-chaussée seront relativement sécurisés, car à distance, grâce à ces jardins de pluie. Et vraiment l'idée de lier résilience et qualité de vie. Donc ici en jaune, vous voyez la totale, vous voyez l'emprise des moulins et les espaces publics. En violet, vous voyez les jardins qui sont en contrebas, donc qui sont inaccessibles aux gens. Ce sera vraiment des lieux de biodiversité et de rétention d'eau. Et puis la petite plateforme qui permet d'accéder au logement, qui est ici. Mais sinon, la totalité du reste de l'espace est un espace accessible au public. Et ça, ça a été une demande de la mairie comme des promoteurs. Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en question tout au long du projet. Un autre élément très important, c'est la rouverture de l'Essonne, bien sûr, qui contribue à cette renaturalisation du site, quelque part. Et c'est vraiment l'idée de fabriquer une confluence et de d'ériger une forme de centralité, puisque la confluence existe quelque part, mais la centralité urbaine qui tire sa force de la confluence est à constituer. Et ensuite, l'ensemble de la programmation du site est fait autour de cette confluence, dans l'idée d'une ville portuaire, d'une ville de canal, et de cet esprit de centralité qui vise à inventer, à fabriquer la nouvelle relation, la nouvelle façade urbaine de Corbeil sur la Seine. Alors comment il va marcher ce site? Comment il va fonctionner? Comment il va vivre? Parce que c'était une grosse attente de tout le monde. Alors, comme j'ai dit au tout début, les problèmes de la ville moderne, c'est d'avoir sectorisé les lieux où on vit, les lieux où on travaille, les lieux où on consomme. Et en fait, donc ce projet, on le voit vraiment comme une espèce de laboratoire de la ville mixte. Comme était la ville ancienne, en fait, c'est vraiment la période moderne qui a déconnecté les territoires anciens, les territoires médiévaux, et qui ont fait que les centres anciens ont périclité. Et donc aujourd'hui, on essaye de vraiment travailler sur les conditions même qui ont amené ces quartiers à péricliter en fabriquant de la mixité. Alors il y a différents types de mixité. Il y a la mixité d'époque avec différents types de patrimoine, de la construction neuve, de la surélévation, de la réhabilitation de l'existant. Et puis, il y a la mixité programmatique, qui est peut-être la plus importante, celle qui crée de l'emploi et qui fait aussi qu'on n'a pas besoin de sa voiture pour aller d'un usage à l'autre. Et donc, c'est vraiment le symbole de la ville ancienne, mais refabriquée dans le patrimoine industriel. Et moi, personnellement, je pense que c'est la solution de la vraie résilience de nos centres-villes anciens, de nos villes moyennes. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille ici, mais ailleurs aussi. Et la nuit ? Et la nuit nous offre une redécouverte de ce site. La nuit, c'est le complément du jour. La nuit, c'est pas le jour en moins bien. La nuit, c'est le moment où on se raconte des histoires. C'est le moment où on se retrouve. C'est aussi le moment de la fête. Il n'y a pas qu'une seule nuit. Il y a des nuits. Il y a plusieurs nuits. Et toute l'histoire des moulins et l'histoire qu'on va prolonger se prolonge aussi à la disparition du soleil. Et la nuit est pour nous l'occasion de faire
de proposer une nouvelle promenade, une nouvelle découverte, une nouvelle vision des Grands Moulins. Et donc on va accompagner, vous l'avez compris, il y a un tapis de sol. Le sol va être occupé de multiples activités, de multiples promenades et visions percées visuelles successives. Et évidemment, nous, on est des mammifères diurnes. Alors ce qu'on attend de la lumière la nuit, c'est qu'elle nous éclaire, qu'on ait du confort et qu'on y voit clair. Mais c'est pas tout. La lumière, elle va nous permettre aussi de raconter d'une manière poétique et sensible l'histoire du lieu. Alors on va le faire d'une façon quotidienne, bien sûr. Alors on va le faire d'une façon quotidienne avec un S. Et le plan que vous voyez là, on va faire défiler plusieurs moments des nuits de Corbeil, des nuits du Moulin. Parce que évidemment, c'est pas la même chose une nuit au mois de mars à 20h et une nuit en cœur de nuit à 3h, 4h du matin où évidemment, il faut faire une place à tous et une place à la nuit naturelle, à l'ombre, à la biodiversité. On est près d'un fleuve, c'est important aussi d'être vertueux et d'avoir d'éclairer faiblement au maximum des heures de nuit de l'année. Et j'en finirai là pour faire court. Alors vous l'avez compris, l'un des grands enjeux du projet, c'était de retrouver hein, ces volumes historiques et notamment... le volume des moulins, hein, parce qu'il était connu sur sa façade ouest, mais c'est vrai que sa façade est, côté Cordillo, eh ben, elle était enclavée, elle était prise en lanière par les autres bâtiments. Et nous, notre souhait, notre travail en tant qu'architecte du patrimoine, ça a été de redonner vie à ce bâtiment, de profiter, on va dire, de sa trame qui est industrielle, donc qui est complètement évolutive au fil du temps et dans ses usages, pour en faire un nouveau lieu de vie, donc avec une programmation qui sera adaptée au projet. Et voilà la façade du projet où nous allons travailler dans un respect très strict des prescriptions des architectes des bâtiments de France en restituant les menuiseries, en retravaillant la brique, en retravaillant la pierre. Mais vous voyez, on a vraiment cherché à garder, préserver l'identité de cette façade monumentale, industrielle, tout en faisant en sorte que les nouveaux usages dissimulent la technique et conservent la monumentalité et la beauté de cette architecture emblématique de Corbeil. On est sur une architecture qu'on appelle des grands moulins de Paris, une architecture archétypale. On a livré il y a à peine ça une semaine avec Histoire et Patrimoine, les grands moulins de Paris à Lille. Et vous voyez ce travail qu'on a fait pendant des années à essayer de retravailler avec les menuisiers, avec les maçons, avec chacune des entreprises qui ont été sélectionnées dans la région pour retrouver voilà, cette modénature de fenêtres à petits bois, de retrouver la teinte de la brique historique, de retrouver ces liserés en pierre. Et c'est un travail qu'on a mené de front avec Axel qui est ici de Histoire à Patrimoine pour redonner vie à ces nouveaux bâtiments. Voilà donc. Dans une partie du moulin, comme vous l'avez compris, nous allons réaliser du logement, qui n'est pas du logement comme il existe partout à Corbeil, qui est vraiment un logement différent, puisque c'est un logement qui va s'adapter au bâtiment et à l'histoire industrielle du bâtiment. Donc on va essayer de faire ressortir dans ces logements toutes les qualités merveilleuses de cette architecture industrielle, sans la camoufler, sans la cacher et sans la dénaturer. Pour ça, on va travailler avec les services de la ville et c'est exactement ce que nous avions fait à l'époque dans ce projet à Lille, puisque nous avons fait des ateliers de recherche sur l'habitat de demain, l'habitat de la réhabilitation, qui est un habitat très spécial. Nous allons donc réaliser des appartements plutôt de type loft, qui vont s'adapter, qui vont être mutables et qui vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de la vie des familles dans ce moulin. Donc ce ne sera pas du logement comme vous aurez l'habitude de le voir, ce sera différent et ce sera le fruit de l'étude que nous allons faire dans le futur avec les célibataires, les couples et les familles qui pourront venir y vivre plus tard. Donc on vous montre un peu les différentes formes urbaines qu'on a assemblées, comme je vous dis, on le voit un peu comme un laboratoire de la fabrication de la ville sur la ville. Donc on a différents types de bâtiments. Alors il y a la partie réhabilitation avec la réhabilitation des ateliers et la réalisation d'un petit immeuble en bois qui est construit avec des éléments biosourcés, légers, préfabriqués de façon
épargner autant le patrimoine que les habitants autour, et on travaille aussi beaucoup sur la réduction des nuisances de chantier tout au long du projet par l'utilisation de matériaux biosourcés. Vous avez le petit bâtiment neuf à droite qui a été source de longs débats avec les différents acteurs du projet et qui s'est réduit et qui aujourd'hui ressemble à ça, mais à la bonne proportion, de façon à laisser le regard passer côté Seine depuis la rue Notre-Dame. Et donc on pense que c'est la bonne emprise de bâtiment qui est équilibré avec le reste du site. Et c'est vraiment ce dialogue entre le patrimoine industriel et le contemporain qui va fabriquer cette extension du centre-ville. Et le programme aussi. Bon, je dois dire que les habitants et les habitantes de Corbeil sont de très bons programmistes, parce que dans le cadre de la concertation que vous avez menée avec monsieur le maire sur Imagine le centre-ville de Corbeil, eh bien, énormément d'idées ont été émises. Et ça a été un matériau extrêmement riche et on s'en est beaucoup donc inspiré dans le cadre de la programmation que vous voyez sous les yeux, notamment de la programmation des rez-de-chaussée, des socles actifs, mais pas que. Vous voyez, entre les tiers-lieux qui vont animer le site, des espaces de restauration, de salles de vente, d'incubateurs culturels, on va y revenir. On a essayé de travailler sur trois grandes thématiques, donc la mixité, vraiment pour tous les habitants, pour tous les publics. Ça, c'était vraiment le maître mot et j'espère que voilà, on retrouve dans ce programme-là ce que vous nous avez dit. C'est également l'ouverture. L'ouverture sur le site, elle n'est pas qu'urbaine. C'est à travers la programmation qu'on va travailler sur un lieu de destination et aussi un lieu qui est pour les habitants, encore une fois. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et aussi un lieu très animé, festif, finalement, le week-end, la semaine. C'est clairement un endroit qui doit, pour vous, être approprié et être dans le prolongement du centre-ville et à terme de la gare. Alors quelques propositions. Aujourd'hui, on croit vraiment à la nécessité sur ce site d'animer la place avec un pôle restauration qualitatif, un café comme vous le voyez, ouvert sur la place de la mairie, le parvis, qui va conforter les commerces existants, ça c'est important, et faire le lien aussi avec la résidence étudiante. Également, vous l'avez vu sur la partie arrière en jaune, sur la diapositive d'après, un restaurant. Ah ben, on l'a vu, vous avez... Voilà, on peut passer à l'autre. Une salle des ventes, ça a été un élément aussi qui a été important, c'est-à-dire de s'ancrer dans les demandes locales. Donc on a identifié un besoin d'avoir des activités économiques aussi sur le site. Donc une salle des ventes est typiquement un lieu qui est ouvert aux habitants, aux habitantes. La partie mémorielle également, on l'a vu, elle est encore une fois stratégique. On s'inscrit dans un lieu patrimonial, mémoriel, et donc on veut qu'il y ait un lieu qui soit réservé, qui soit identifié justement pour faire le lien avec cette histoire. Cette histoire, elle peut aussi se trouver par des pièces industrielles importantes, mais aussi par un lien avec la future activité des moulins soufflés. On veut qu'il y ait un lien qui se fasse aussi sur le nouveau site. Et à travers aussi un parcours historique, ce qui est finalement assez rare dans ce type de projet, on veut aussi donner à voir, finalement, dans le cadre des déambulations, à l'intérieur du projet dans lequel on va pouvoir circuler, mais finalement ce type de signalétique qui va raconter l'histoire et qui sera pédagogique pour les enfants, pour les classes et pour l'ensemble des habitants. Donc ce lien, on va aussi le préserver, mais en se tournant vers l'avenir aussi, vers finalement les forces vives de Corbeil, vers le tissu associatif, créatif. Un incubateur culturel, salle polyvalente, c'était vraiment un axe fort de la collectivité, intégré dans le cahier des charges. Ça sera un lieu qui sera modulable, hybride, ce sont des grands mots, mais... Vraiment concrètement, c'est la capacité à avoir plusieurs activités pour répondre aux demandes, notamment avec le festival aujourd'hui de la ville, le urbain, avec aussi des associations. On veut faire venir des artistes en résidence. Clairement, on veut s'ouvrir sur la ville et que ce soit un lieu, encore une fois, créatif et culturel. Bon, après, il arrive aussi d'avoir envie de pédaler, de faire du vélo. On est sur un axe quand même important avec la Seine et l'Essonne. Donc il y a aussi des besoins locaux que nous avons identifiés clairement pour réparer des vélos, pour avoir des flottes aussi de bornes électriques. Finalement, créer un quartier dans le quartier, ouvert sur, encore une fois, l'espace public et en faisant appel aussi à des porteurs de projets locaux de cette nature-là. Merci. Bonsoir. Greg Smith, je suis un des fondateurs d'un groupe de pubs. On a une vingtaine de sites en France. Je vais aller très rapidement sur les sources d'inspiration qu'on a utilisées pour répondre au projet.
afin d'arriver rapidement à ce que l'on propose. Premièrement, on défend les pubs. Et les pubs, c'est quoi dans notre culture? Je suis australien, on est irlandais. C'est les public house, c'est-à-dire c'est l'endroit où l'ouvrier agricole parlait avec le châtelain, où l'ouvrier parlait avec l'industriel pour dire l'équipement que vous croyez très bon, il est moins bon que vous pensez. C'est des pieds d'égalité, c'est la liberté dans l'espace, c'est l'accessibilité dans les prix, c'est les jeunes, les moins jeunes, les célibataires, les familles. Dans nos pays, c'est vraiment des fondations de nos cultures. Donc nous défendons ça dans toute la France et surtout, on aime accompagner les sites exceptionnels avec le concept qu'il faut. Sur toute la France, on n'a que 7 pubs, au sens étroit. Donc aujourd'hui, on va parler de tiers-lieux et de microbrasseries que nous pensons absolument adaptés à ce site. Donc, un premier projet qu'on a fait à Pantin, à Paris, sur une friche industrielle de la SNCF sur 1 hectare, illustre assez bien ce qu'on propose pour les bâtiments que nous allons occuper. Donc, c'est 10 000 m². On a là-dedans, vous voyez les pictogrammes qui sont en haut. On a les bâtiments qui font des salles événementielles. Ça peut être les vides dressing de la population locale. Ça peut être les marchés de Noël. On a les grandes cours en été qui sont remplies de familles avec leurs enfants. On a aussi les pôles de restauration, restauration à l'intérieur, restauration à l'extérieur, selon la climatologie. On a une microbrasserie dedans parce qu'on est dans l'écologique, on est dans le circuit court, on est dans le local. Donc, on brasse sur place pour la consommation sur place, pour que les gens voient ce qu'ils consomment et qu'ils le produisent. Et enfin, on a des salles de séminaire et d'autres activités moins importantes. Dans les tiers-lieux qui ramassent beaucoup d'activités ou qui ont beaucoup d'activités, on a aussi placé deux microbrasseries. Donc, à gauche, vous voyez le Pan Am Brewing Company dans les magasins généraux sur le canal de l'Ourcq à Paris. On aime beaucoup l'eau. L'eau apaise, l'eau attire. Et on aime beaucoup le patrimoine industriel français qu'on essaye de restaurer. Parce qu'à droite, vous voyez, tout au fond, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est le premier chantier du Bigeon. Donc, c'est l'historique chantier naval de Saint-Nazaire. C'est le premier bâtiment de 1852 qui était complètement en ruine, qu'on a restauré sur 3 étages, sur 1500 m², pour mettre un microbrasserie, pour mettre toutes les activités que vous avez vues avant. Et j'adore, quand je suis là-bas, regarder les locaux qui viennent parce que c'était un quartier complètement désert. Et je vois qu'ils regardent par haut, il y a 10 mètres de plafond, ils voient les équipements et ils sont vraiment séduits, ils passent leur journée là-dedans à boire, à manger, à travailler. Et c'est un vrai plaisir. Donc là, on est dans les deux bâtiments qui donnent sur la Seine. On les regarde en coupe. Donc on a le dos à la Seine et on regarde les bâtiments. Et voilà les activités qu'on propose. Déjà, avec Cogedim Altrea, on a dû réfléchir sur comment mobiliser 3000 m² avec les étages, avec les trémies, sans trop toucher au bâtiment. Donc on s'est inspiré de la forme des bâtiments, mais surtout, comment est-ce qu'on peut donner le plus d'accès au plus de monde dans le bâtiment par les activités différentes. Donc, très rapidement, en marron, vous voyez l'activité de pub-restaurant en bas à gauche avec des grandes trémies, des espaces ouverts, un endroit pour les enfants. En rose, vous voyez les bureaux, les incubateurs où il y a à peu près 150 personnes qui travaillent ensemble. Tout en jaune en haut, on voit une salle événementielle qui sera absolument splendide. Et en bas à droite, on voit la partie de production de microbrasserie qui sera complètement accessible au public. Tout ce que vous voyez là sont les bureaux, sont accessibles à toute la population, à toute heure. Ça, c'est un exemple de ce que les étages pourraient ressembler. On connecte les espaces, on laisse rentrer la lumière et surtout, on essaie d'avoir 150 personnes qui travaillent sur place. Là, c'est les pôles de restauration. Si je m'inspire des deux microbrasseries qu'on a, c'est à peu près 50 personnes qui seront employées dans ce lieu. Et le dernier slide, c'est la partie de production.
Et là, nous n'allons pas. Donc, on voit les cuves de production. C'est trop petite pour faire une usine. C'est pas du tout l'objectif. On brasse pour consommer sur place, pour que vous pouvez voir les gens travailler, vous pouvez visiter la brasserie, déguster et passer votre temps dans ce cadre. Pour conclure la présentation, on va vous passer on va vous passer un petit film de l'opération et puis je pense qu'après on passera aux réactions, à vos réactions. Il y a un micro, deux micros, trois micros au fond. Vous levez la main, on vous amène la parole. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous en deux mots et puis réagissez. Bonsoir pour tout le monde. C'est monsieur Galez, habitant de Corbeil-Essonne et chef d'entreprise. Je voulais tout d'abord saluer la démarche, encore une fois, parce qu'on a eu déjà la chance de participer au projet de Helio. Et je vois que c'est la même chose pour les grands moulins de Corbeil. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour une décision des ensemble pour l'avenir de notre ville. Et moi, je retiens deux points importants d'après la présentation. C'est que le projet, il est porté sur tout d'abord une préservation de socle historique que donnent ces moulins pour la ville. Tout en prenant en considération des conceptions futuristes pour le projet. Donc c'est quelque chose de très bien que je trouve personnellement très très important pour, parce qu'on aspire tous à une ville moderne où on a accès à tout, à nos enfants, à nos familles, tout ça. Moi j'ai par contre une petite remarque concernant l'alimentation énergétique de tout le site. Est-ce que on a pensé à des énergies propres? Est-ce qu'on a en perspective de trouver des alternatives pour ce point-là, concernant les énergies propres? Ça marche. Les énergies pour alimenter toutes les activités, voilà, sur le site. Merci. Merci, monsieur. Alors, il y a deux mains qui sont levées devant, deux mains au milieu. Je ne sais pas où est le micro, mais levez-vous et prenez la parole. Allez-y, monsieur. Oui, madame. Allez-y, monsieur. Alors bonjour, je m'appelle Stanzac Josselin, je suis étudiant et je suis habitant de Corbeil-Essonne depuis ma naissance. Tout d'abord, bravo pour ce beau projet. Et j'avais une question qui peut sembler un peu bête, mais est-ce qu'on a une date de livraison ou une date approximative de livraison du projet? La date. Madame. Bonjour, je suis habitant de Corbeil-Essonne. Levez-vous parce que comme il y a plein de monde. Voilà. Je suis habitante de Corbeil depuis 2012. Donc j'ai vu Corbeil évoluer et changer depuis que je suis là. Je regarde le projet et je n'ai pas l'impression qu'on ait pensé à des places de parking, par exemple. Je trouve que la ville est très très embouteillée depuis un moment. On prévoit encore de construire du logement. Et ma question, c'était... En gros, où est-ce que tout le monde va se garer, c'est ça?
ça, c'est, oui. Et ça, c'est un aspect qui m'interroge. Et d'un autre côté, est-ce qu'avec les nouvelles habitations, tout ce qu'on construit actuellement à Corbeil, est-ce qu'on n'a pas pensé aux infrastructures qui accompagnent tout ça, notamment les écoles? Est-ce qu'il y aura les écoles, les crèches, tout ce qui va pour les habitants qui seront dans ces nouveaux logements? Dans le projet, il y a presque une nouvelle ville qui va sortir, mais dans le projet, je vois qu'il n'y a pas forcément d'école, pas de crèche, pas de... Très bien. Voilà. Alors, monsieur demandait la parole, mais pendant que vous lui passez le micro, au fond, j'ai vu... Voilà, levez-vous et parlez près. Allez-y, allez-y, le temps que le micro arrive. Allez-y, madame. Bonjour, je m'appelle Sylvie Gautron, j'habite à Corbeil-Essonne. Pas depuis très longtemps, mais depuis quelques années. J'ai trois questions très rapides. On nous parle donc de construction de logements. Combien de logements? On parle de mixité sociale. Je voudrais savoir s'il va y avoir du logement social dans ce projet. Également, concernant les bâtiments existants, concernant la réalisation et la construction, je voulais savoir si les enjeux écologiques et en particulier les enjeux qui touchent les espèces du bâti étaient pris en compte dans les projets de construction. Voilà, si ces enjeux de protection des espèces sont pris en compte. Voilà. Merci madame, c'était très précis, monsieur. Oui, bonjour. Bon, je me présente, Denis Desroches, je suis un habitant de Corbeil, dont certains peut-être me connaissent. Moi, je suis très inquiet, hein, je ne vous cache pas sur ce projet. Très inquiet sur l'approche. Alors, monsieur l'avait soulevé tout à l'heure, l'approche globale, déjà, en termes de fluidité, d'accessibilité, de parking, l'impact que ça va avoir sur les autres quartiers, il y a une grosse inquiétude, je ne vous le cache pas. La densité de la population qu'il va y avoir dans les logements, parce qu'on ne sait pas combien de logements il va y avoir, ça vous n'en parlez pas. Combien de parkings, vous n'en parlez pas. Les équipements autour, vous n'en parlez pas. On en prend plein les yeux, c'est sûr, c'est superbe, hein, vous avez fait un superbe travail. Mais après, pour y vivre, là, rien que ce que j'ai vu, pour aller faire mes courses, je ne sais pas comment je vais faire pour prendre ma voiture et monter mes courses. Parce que là, j'ai eu des personnes à pied ou en vélo. Voilà, prendre le vélo. Voilà. Bon. L'accessibilité, vous parlez que de la rue Notre-Dame. Vous avez aussi une autre accessibilité qui est la maison de la MAF, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui peut être préemptée et qui donne directement sur la place du marché et qui pourrait permettre de rendre la rue Notre-Dame piétonne les jours où il n'y a pas de marché et les jours où il y a du marché. On peut désengorger la rue Notre-Dame pour donner l'accessibilité aux véhicules. Bon. C'est une première réunion. Je pense que vous avez d'autres choses à nous présenter derrière. Mais l'inquiétude des habitants, là, c'est qu'on est en train de bétonner, entre guillemets, même si le projet est beau. Si, si, attendez, on va mettre du logement. On est en train de nous dire qu'il y a trop de logements sur la ville. Et là, on ne sait pas combien de logements il va y avoir de mis. Donc sur un quartier comme Corbeil-Essonnes, dans le centre-ville... Réfléchissez bien à l'accessibilité, parce que accessibilité équipement. Parking, équipement, et puis ensuite, considérez l'environnement, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, avec Elio Corbeil qui va aussi avoir un projet, et l'impact qu'il y aura dans le centre-ville, parce que le centre-ville, monsieur le maire, je vous le rappelle, ne s'arrête pas à la rue Notre-Dame et la rue Saint-Spire, ni à la rue de Paris. Il y a le tout centre-ville, le quartier. Le centre-ville, c'est toute la cuvette de Corbeil. Donc il faut le prendre en considération. Et là, je crois que vous ne l'avez pas pris en considération. Merci, monsieur. Alors, il y a 7-8 mains qui se sont levées. Madame. Et je propose qu'on se fixe comme horaire de fin 20h15 pour passer les réactions avant de sortir tous ensemble, continuer à discuter, débattre. De toute manière, comme vous l'avez dit et comme ça a été dit, il y aura des ateliers d'approfondissement derrière pour répondre à ce que disait monsieur. Savoir qu'on ne peut pas débattre aussi efficacement sur tous les sujets précis que vous avez donnés. Madame, la parole est à vous. Bonsoir, donc je suis madame de Courty, j'habite... On n'entend pas au micro. Plus fort, plus près. Je peux essayer. Oui, donc je suis née à Corbeil-Essonnes et j'y vis. Moi, je voulais d'abord saluer la beauté du projet. Indépendamment des problèmes qu'on va soulever ensuite, je trouve que c'est un très beau projet et je suis très heureuse que pour Corbeil, on pense à de belles choses. Je veux dire, voilà, que c'est si beau. Le problème d'accessibilité... Ouais. Le problème d'accessibilité, on l'a soulevé aussi pour le projet de Maxia. Pour le projet
général. Ah, plus près. Pour tout ce qui est donc cette accessibilité, je pense que vous l'avez pensé, qu'en effet, on veut donner la place aux vélos et aux piétons. Donc j'espère que... Je vais essayer de parler très fort. Je peux le faire, oui. Voilà. Pour tout ce qui est donc la microbrasserie, le restaurant, le café, je trouve que c'est super parce qu'il y a la résidence étudiante en face. Donc, en effet, ce sera très fréquenté. Normalement, il n'y a pas de souci. Après, il faut que ce soit attirant pour les autres quartiers. Donc, en effet, il faut des endroits où on se pose, où on est sûr de pouvoir venir et pouvoir circuler gentiment. Tout ce qui est aussi réseau, assainissement, etc., je pense que vous y avez pensé, puisque c'est un vieux quartier. Mais moi, je salue la beauté du projet et j'espère qu'on arrivera à régler les problèmes techniques et à améliorer tout ce qui gêne, en effet, les personnes qui sont inquiètes pour l'avenir. Oui, bonjour. Claude Combrisson, Corbeil-Essonne Environnement. Actuellement, au plus, ces terrains sont en activité. Vous envisagez de construire beaucoup de logements. Comment allez-vous passer de ce classement en nuit au plus à un classement qui permette de construire des logements? Accessoirement, mais ce n'est pas accessoire, combien de logements? Vous avez aussi parlé d'équipements publics. Qui va les financer? D'autre part, on a vu aussi qu'il n'y a pas de stationnement dédié à l'opération. Où vont-ils aller, ces stationnements? Qui va les payer? J'ajouterai, petite question subsidiaire, avez-vous acheté le terrain sous conditions suspensives d'obtention des différents permis? Ou avez-vous acheté ferme? Et plus exactement, combien avez-vous acheté ce terrain? Merci. Alors, alors oui, moi, je rebondis sur ce que la dame disait et le monsieur vient de dire sur les logements. Est-ce que vous comptez louer ou éventuellement vendre les logements de votre propre chef, ou est-ce que vous comptez mandater une agence quelconque? Merci. Et alors, il y a une dame qui voulait prendre la parole là au premier rang. Et après, je passe la parole à Gaëtan Varny pour des éléments de réponse. Bon, moi, j'habite juste à côté. Alors, bien sûr, il y a la rue, une autre... Bon, j'habite juste à côté. Il y a la rue Notre-Dame, mais il y a aussi les petites rues, là. Alors, j'aimerais bien avoir quelques précisions sur l'accessibilité, effectivement. De plus, je voudrais... La question a déjà été soulevée du lien avec le projet Créteil. Parce qu'il me semblait que sur le projet Créteil, il y avait déjà beaucoup d'appartements prévus. Donc, qu'en est-il? Il faut des écoles. Il faut aussi, il m'a semblé, la brasserie, je trouve ça bien, les restaurants, mais il y a peut-être une dimension culturelle aussi à envisager dans tous ces quartiers, parce que ça fait cruellement défaut pour l'instant. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez déjà beaucoup, beaucoup de remarques et de questions. Alors, il y a une dame là qui voulait réagir. Allez-y, madame. Et puis après, on passe la parole à Gaëtan Varny parce que vous avez eu beaucoup, beaucoup de questions et il faut qu'il y ait des premières réponses. Madame, allez-y. Oui, bonjour. Madame Garcia, moi, je suis née pratiquement ici à Corbeil. Donc, ça fait déjà plus de 60 ans que j'y suis. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses se transformer dans cette ville. Là, nous étions soi-disant conviés à un débat de concertation. Excusez-moi, monsieur le maire, mais pour moi, votre débat, il est déjà tout bouclé. Vous nous mettez devant le fait accompli avec un projet qui est le vôtre, mais qui n'est pas forcément ceux des Corbeil et Saunois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous souvenez-vous bien, il y a quelques mois en arrière, quand vous avez voulu prendre notre ville, vous nous avez dit le bétonnage, on en a marre, on n'en veut plus. Et Total, qu'est-ce que vous faites? Elio, on bétonne. Les grands moulins, vous nous remettez encore des appartements. Je crois que les Corbeil-Essonnois ne s'attendaient pas du tout
à ce genre de projet. Alors, il vous convient peut-être à vous, mais sachez qu'à moi, il ne me convient pas. Merci, madame. Il y avait une dame, il y avait une dame qui... Voilà. Allez-y, madame, et on termine par vous. Oui, alors moi, je me posais une question parce qu'il y a une dame qui a commencé en disant « Oui, Corbeil, alors exactement, les logements différents de ce que vous connaissez, ça veut dire quoi ? Que ça va peut-être être une population qui ne va pas vouloir se mélanger avec les autres, en fait, là, ce qu'on va nous ramener. Il faut peut-être nous prendre en compte, en fait, au bout d'un moment. Il faut qu'on puisse aussi faire vivre notre ville et pouvoir... Enfin, pas comme ça face aux Tarterets. On a le côté des Tarterets, le côté chic. Enfin, là, il faut vraiment créer la mixité. Là, ça ne va pas le faire du tout, en fait. Alors... Sur la question des logements, sur la question de comment est-ce que cette mixité fonctionne, Gaëtan Varny, je vous passe la parole. Et puis après, on viendra vers Bruno Piriou pour un mot de conclusion de cette première étape. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre au maximum. Des questions sur les projets, des questions techniques, des questions un peu plus larges, des questions politiques aussi. Alors, un peu dans l'ordre. Déjà, pour parler du nombre de... de logements. Non, avant ça, pardon, je voudrais qu'on revoie juste l'emplacement des grands moulins, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'accessibilité, sur les parkings, sur la bétonisation, sur le projet des grands moulins. C'est une pièce du puzzle du cœur de ville. Il est au centre. Tout à l'heure, Vincent disait faire sauter le bouchon, qui est une image, puisque c'est effectivement le bout de l'Essonne. Donc c'est vraiment une pièce de ce centre-ville. Et au début de la présentation, j'avais noté quelques remarques. Redynamiser le centre-ville, réouvrir les emprises qui sont aujourd'hui du coup une emprise fermée. Et dans le commentaire, on voyait que les gens pensaient même que... Il y a certaines personnes qui pensaient que les moulins étaient fermés. Donc c'est une pièce parmi tant d'autres. Deuxième chose, c'est que du coup, avec Elio, il y avait un commentaire aussi, une question qui disait « Mais ce serait bien que vous parliez avec les autres promoteurs et que ce soit... en lien. Donc on parle bien évidemment avec Elio, et ce sera avec le promoteur qui va s'occuper de la partie d'Elio, et ce sera notamment une des réponses, ou une partie de la réponse sur les éléments techniques et les éléments de stationnement. Alors, sur les éléments de nombre de logements et de parking, donc il y a environ 240 logements aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas pile parfait, ça peut évoluer à la hausse, à la baisse, en fonction du projet. Concernant les parkings, il y a bien prévu des parkings. Effectivement, on est passé un petit peu rapidement, parce qu'on a voulu aller rapidement dans la présentation. À la fin, j'ai dit, on va passer tout de suite au film. L'objectif était justement de parler à la fois des logements et à la fois des parkings. Donc il est bien prévu sur le site, et je pense qu'on va voir une photo. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Voilà. Donc, sous tous les bâtiments, en fait, sous les passerelles, on a parlé beaucoup de topographie tout à l'heure, d'organisation de l'espace public et des entrées des bâtiments. Il y a bien sûr, évidemment, prévu des places de parking sous les logements. Donc, quand on revient avec sa voiture, on s'installe bien sous son logement et on monte dans son escalier. Je ne sais plus qui avait posé la question. La zone PPRI est gérée. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs zones de PPRI. Il y a des zones où on a... Oui ? Bon, donc je reviens sur les parkings. En tout cas, justement, cette gestion et la gestion des eaux est très importante. Et sur la question de la bétonisation, on est aujourd'hui sur une dalle 100% perméable, 100% bétonnée, qu'on vient débétonner. On vient remettre de l'espace vert dans ce cœur de ville. Et de la biodiversité. Donc on essaye en tout cas de faire tout l'inverse et de justement redonner vie à ce quartier, redonner vie à cette emprise qui était fermée pour les habitants, pour la biodiversité, pour la pleine terre, pour la gestion des eaux. Oui, il y a du logement, oui, il y a de l'activité, oui, il y a de la vie, c'est la ville. On ne va pas faire une ville sans logement. Ça, c'était pour ça. Il y avait une question sur le planning, il y avait une question sur le planning, sur le PLU, qui correspond, qui va ensemble, sur le type de logement aussi. Alors, je vais peut-être finir sur le type de logement et je reviendrai après au planning PLU. Sur le type de logement, il y a différentes sortes, effectivement, de logements. Et du coup, ça va me faire aussi le lien avec la commercialisation, puisque je crois qu'il y avait une question sur la commercialisation. Donc, effectivement, quand Axel Macardier, je lui passerai la parole probablement sur des logements différenciants, innovants, ça ne veut pas dire que c'est pour une classe
UP, élevé, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Il y a différents domaines de commercialisation. On a, en plus, on bénéficie ici de la TVA 5,5, donc il y aura un nombre de logements qui seront dédiés pour les primo-accédants. Donc des grands logements. Il y a eu une demande notamment de la mairie d'avoir des logements familiaux pour la commercialisation. Donc la commercialisation sera faite, pour répondre à la commercialisation, par Cogedim, par aussi des agences. Il y a différents canaux de distribution, on va dire, de vente de ces logements-là. Est-ce que tu veux dire un mot sur le logement différenciant ? Pour le logement différenciant, j'y reviendrai et je reprends une remarque sur la densité. Il faut juste rappeler ici qu'on est sur un patrimoine existant avec beaucoup de surfaces qui sont existantes à ce jour, qui sont très difficiles à transformer, qui sont techniquement extrêmement complexes à traiter. Ce patrimoine est sublime, mais ce patrimoine, pour être sauvé, il a besoin d'un certain nombre de programmations et d'équipements pérennes qui font la ville, mais qui font aussi l'habitat de demain. C'est parce qu'on veut sauver ce patrimoine qu'on se permet de présenter cette programmation aussi. Et croyez-moi, quand on fait le bilan de tout ce qui est démoli sur le site et de ce qui est reconstruit, on dédensifie la parcelle, on dédensifie l'espace. Par ailleurs, sur les logements différents et sur les logements dont je parlais tout à l'heure, on parlait de typologie de logement, on ne parlait pas de prix de vente. Donc on ne s'adresse pas à une différente population. Ces logements, ils seront effectivement de type loft, etc. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne seront pas dans le marché de Corbeil. Merci. Peut-être rapidement sur le planning PLU, où vous voulez... Alors j'essaye de les noter parce que j'en avais noté sur le planning et donc le PLU. Oui, effectivement, le PLU aujourd'hui n'est pas compatible avec la destination de ce projet. C'était l'enjeu aussi de ce concours. C'était proposer quelque chose d'innovant, de beau, qui réponde à la demande de la population et de la ville. Et le PLU, c'est un outil. Donc c'est un outil d'urbanisme qui permet ensuite et qui donc s'adapte au projet souhaité par la ville et qui est souhaité par les habitants. Donc il y aura effectivement une modification de PLU pour pouvoir faire ce projet. Et donc ça, dans le délai, on va dire que les travaux pourront commencer courant 2024 avec deux ans et demi de travaux, donc avec une livraison fin 2026, début 2026. Voilà. J'avais noté quelque chose sur la dimension culturelle. Je pensais qu'on en avait en tout cas un petit peu parlé. Alors peut-être que c'est pas assez poussé pour le moment, mais en tout cas, il y a bien une salle qui est dédiée à la mémoire du site, plus tout un parcours culturel interactif, plus dans le cadre de la microbrasserie, qui a aussi un clin d'œil à la mémoire du site, toute une salle d'archives et d'explications de ce site. Merci beaucoup. De toute manière, comme vous l'avez dit, on en est au début, il y a encore des approfondissements à faire, le nombre de logements n'est pas encore complètement calé, donc ça veut dire que vous avez encore beaucoup de discussions et de travaux à faire. Et donc pour ça, pour la suite et pour les réponses aux dernières questions qui ont été posées, je passe la parole à Bruno Piriou pour un mot de conclusion. Écoutez, de nouveau bonsoir. Moi, j'ai eu beaucoup de moments d'émotion dans la soirée parce que d'abord, on fait l'expérience et bien qu'on peut faire la ville avec les habitants. Si on a gagné les élections, c'est encore un peu frais, 19 mois, avec toute l'équipe municipale, il y en a une grande majorité qui est présente là ce soir. C'est parce qu'on a eu l'expérience depuis 25 ans qu'on pouvait faire 1800 logements, par exemple, sur un site remarquable qui était aussi le site donc de l'ancienne papeterie à la nacelle. Et je crois que 1800 logements avec Bouygues sur un site magnifique où coulait la rivière, où il y avait du patrimoine industriel improbable, où tout a été rasé, même la dernière façade qui est tombée une semaine avant les élections municipales, sans, je crois, 1800 logements
qu'il y ait une seule réunion publique comme ça où on a pu en débattre. C'est fort de cette expérience qui fait notre ADN, cette équipe municipale, c'est d'avoir une conviction, c'est qu'on ne fera pas le bonheur des Corbeil-Essonnois sans eux. C'est une conviction, c'est pour ça qu'on a été élus. Et on se disait avec l'équipe municipale, juste avant les vacances, dans cette salle, je le redis, on était 200 pour parler d'Hélio, certains d'entre vous d'ailleurs étaient là, deux jours après, 150 pour parler des Tarterets, parce qu'il est hors de question de faire une ville pour certains dans les quartiers populaires et une ville pour d'autres dans le centre-ville. Non, on veut réussir la ville pour tout le monde, partout. Mon ami qui est décédé, José Quinquela, qui était le grand président de l'amicale des locataires des Tarterets, qui vivait au Tarteret depuis 20 ans, il disait « Nous aussi, on a le droit au centre-ville. Et on doit aussi avoir le droit au Tarteret, à mon conseil. Et notre ambition, c'est que ce soit très agréable de vivre au Tarteret. Il y a du boulot. Et c'est pour ça qu'on le fait avec les gens et qu'on va signer une convention de transformation du quartier avec l'ANRU. Et ça doit être très agréable de vivre dans le centre-ville. Je vis dans le centre-ville. C'est pas aujourd'hui très agréable. J'habite à 300 mètres d'ici. C'est pas encore assez propre. Pourquoi une ville est sale? D'ailleurs, je vous le dis, notez-le. Le 19, samedi matin, si la ville, elle vous appartient, elle vous appartient pour la penser et la faire. Elle vous appartient aussi pour qu'on touche du doigt la question de la propreté. Et dans 18 endroits de la ville, samedi matin 19, on sera des centaines et des centaines d'habitants à mettre la main à la pâte pour la nettoyer. Il ne s'agit pas que ce soit que les habitants qui nettoient la ville. Vous payez des impôts, certains, pour ça aussi. Mais on veut faire de la propreté une question majeure. La ville, elle n'est pas assez propre aujourd'hui. Les commerces, c'est le maire qui vous dit. Avec moi, vous n'aurez jamais un maire qui vous dit « c'est génial, tout ce qu'on fait, c'est bien ». Mais non, ça fait 19 mois qu'on est là. 52 épiceries sociales, je le dis, à 3 balles dans cette ville. 53, voilà. Et oui, pas social, pardon. 53 épiceries qui s'ouvrent, on se demande comment. L'épicerie sociale, on va la faire, elle va être belle. Les travaux vont commencer. 52 épiceries, des commerces pas diversifiés. Voilà, nous, on hérite de ça et ça ne nous plaît pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez dit, ce que vous dites dans le film, c'est un centre-ville qui ne fonctionne pas. Moi, des fois, le samedi ou le dimanche, dans le centre-ville de Corbeil, j'ai le bourdon et je suis le maire. Et on a été élus pour le transformer. Et donc, il faut, vous savez, moi, je pense que tous les humains ont un grain de folie. Et pour faire ça, avec Martine Soavi, Hélène Pavamani, beaucoup d'élus, mais les deux élus, je les cite, qui n'ont pas chômé depuis 19 mois pour faire ce projet, vous accompagnez Eric Ross et toute l'équipe, eh bien, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ensemble, mais avec vous, les habitants, et on s'est allé à la folie. Je ne vais pas citer tout le monde ici, mais un soir, on a eu l'idée de faire une brasserie. Eh bien, il y aura une brasserie. Qui peut dire... Marcel Giraudel a dit... il faut de l'emploi, il faut de l'emploi. Et Marcel a raison. On va garder tous les emplois, Eric, qui vont être déplacés dans le site, évidemment, qui va continuer avec le nouveau Grand Moulin qui sera inauguré. On fera une grande fête pour inaugurer. Il ouvre quand, le Grand Moulin, Eric? En courant 2022, le Grand Moulin, donc, qui permet d'arrêter les petits moulins sur ce site, en 2022 sera ouvert. On va garder donc tous les emplois qui existent aujourd'hui sur le site. On va en créer... entre 200 et 250 ici. Aujourd'hui, voilà, zéro emploi, on peut dire, il y en aura 250. Ça coche une case. Pour que la ville fonctionne, il faut de l'emploi. Il faut de l'emploi. Il faut, je crois, que le projet qui est présenté... Pourquoi je n'étais pas inquiet ce soir? J'étais impatient. Parce que je savais que ça séduirait et que ça poserait, monsieur Léraud, ancien maire adjoint, vous avez raison, de dire que ça pose des questions. Ça pose des questions. Et donc ce qui est important, vous voyez, c'est quand dans ces réunions, il y a des gens qui disent « Ah, c'est beau, enfin du beau pour Corbeil ». Et il y a 15 jours, des mêmes habitants avaient dit « Vous allez avoir des architectes, on veut des grands noms de l'architecture. L'équipe que vous avez là, c'est une équipe top niveau national. » Sur tous les sujets qui ont été traités. La brasserie et les tiers-lieux avec Greg. Segat qui nous accompagne. Olga Tarasso. Olga Tarasso, elle habite Barcelone. Aller à Barcelone voir la conception, j'y suis allé voir la conception des espaces publics et qui m'a fait donner envie de travailler avec Olga Tarasso. Barcelone, ce n'est pas tout à fait la même météo toute l'année. Ceci dit,
Les gens vivent dans la rue parce que depuis des décennies, la ville est pensée pour que les gens vivent ensemble. C'est ça qu'on veut à Corbeil-Essonnes. Mais ce qui me passionne, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut à la fois, Marcel a raison, des salles à 300 et 200 à l'intérieur, 100 dehors. 300 personnes ce soir. Il faut ça. Et je le redis, vous avez un maire et une équipe municipale. On aurait pu le présenter, je le redis, à Cannes, entre nous, parce que c'est beau, c'est l'immobilier. Il en était hors de question. Et je remercie toute l'équipe que j'ai dit, Materia, etc., les architectes, d'avoir décidé que la primeur, c'était pour vous, les Corbeil-Essonnois. Et ce qui me passionne dans ces réunions, c'est que, voilà, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est bien enfin d'avoir des logements de standing à Corbeil-Essonnes. » Je le pense. Vous savez, nous, l'équipe qui est ici, on ne nous prendra pas, je peux dire, sur le côté social, sur notre gauche. Parce qu'on est une équipe qui, seule ville du département, a décidé que nous ne serions pas les élus, les maires adjoints, qui accepterions que des gens dorment dehors dans notre ville. On n'a pas attendu d'aller chercher des subventions. On a ouvert un centre d'hébergement pour ceux qui dorment dehors. Ça, c'est un marqueur, vous voyez. Donc, on veut être la ville des plus humbles, mais pour qu'une ville fonctionne, il faut qu'elle continue d'accueillir les plus humbles et il faut qu'elle accueille aussi des gens qui ont les moyens de vivre. C'est ça, et moi, les mots, quand on donne la parole aux habitants, ils ne parlent pas de guerre, de concurrence, de machin. Vous avez parlé de fraternité, vous avez parlé de vivre ensemble, vous avez parlé de se rassembler, de se retrouver, les jeunes, les moins jeunes, etc. Vous dites ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Et dans les réunions comme ça, et c'est là le rôle du maire et des élus. Il y a des gens qui disent « il faut du standing ». Ah ben non, il faut aussi du logement social, vous n'allez pas nous faire une réserve de riches. Il faut ci, il faut ça. Mais pas avec nous, entre vous, vous dites ça. Le rôle du maire, c'est ma conception de la politique. Le rôle du maire, c'est doit être le garant de la démocratie. Alors vous avez raison, madame, c'est une réunion ce soir, vous dites, vous nous avez invité, une réunion de concertation. C'est le lancement ce soir, c'est le lancement. Personne n'a pu imaginer que c'est ça comme ça qu'on allait faire. Mais déjà, on n'a pas aménagé avec Martine et Hélène notre matière grise et les services de la ville. Je ne citerai pas les agents parce que je n'ai pas les cités, mais beaucoup d'agents de l'urbanisme, de tous ceux qui travaillent sur le commerce, etc., ont travaillé avec nous pour que le projet qu'on vous présente, c'est pour ça que je n'étais pas inquiet, il ne sort pas simplement de cerveau complètement illuminé. C'est que je disais, peut-être je finis là-dessus, c'est une idée peut-être un peu philosophique, c'est que je pense que tous les humains ont un grain de folie. La seule chance qu'on a que notre folie humaine, elle se transforme pas en guerre, en division, en ville où on se rencontre plus, où on se parle plus, c'est que notre folie, faut la mettre en débat. Faut la mettre en débat pour que les exigences d'un et puissent rencontrer les désirs de tous les autres. C'est ça qu'on va faire pendant 4 ans. Et donc, on a voulu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie que il ne se passe rien à Corbeil-Essonnes, peut-être qu'on dira, bah, allez, on les a élus, ils ont échoué. Nous, on a été élus pour la faire redémarrer. Moi, je pense que cette ville était un peu en berne, je le pense. Je pense qu'elle l'est encore. Je pense que parfois, le pays est en berne. Je pense qu'en ce moment, la planète est un peu en berne. Et donc, nous, on n'a que l'ambition pour Corbeil-Essonnes et Grand Paris Sud, monsieur le Président, l'agglomération, parce que je pense que réussir le centre-ville, comme réussir les Tarterets, mon conseil, tous les quartiers de la ville, c'est réussir Corbeil-Essonnes. Et si on réussit Corbeil-Essonnes, ça aidera à réussir Évry-Courcouronnes qui refait aussi son centre-ville. Ça aidera à réussir cette grande banlieue où certains d'entre vous ici avaient l'habitude de travailler à Paris, dans les grandes capitales internationales. Mais vous avez découvert que ça mettait un petit peu de temps. Hein. Certains sont arrivés en retard parce que c'est la première fois vraiment pour certains. Ceux qui ont été le roi étaient déjà venus. Mais oui, on est dans les embouteillages quand on vient à Corbeil-Essonnes. Eh bien, réussir notre territoire ici, c'est réussir tout le sud francilien et c'est réussir l'Île-de-France. Il y a un sondage qui est tombé la semaine dernière qui disait les Français, là où ils sont le moins heureux, c'est en Île-de-France. Nous, on n'est pas responsables de tout. On est élus de Corbeil-Essonnes. Notre responsabilité, c'est qu'en se rendant ensemble beaucoup plus heureux à Corbeil-Essonnes, on participera aussi à roder du sourire en Île-de-France. Voilà, et donc on va se revoir. On va se revoir, c'est peut-être la question que tu allais me poser ou tu allais plus m'en poser, Fred. Mais on va se revoir, évidemment, en atelier, en travail, comme on le fait pour Elio, comme on le fait au Tarteret. Et en même temps, comme c'était une soirée de présentation, eh bien, au moment où on va sortir, l'entreprise Boa, et je les remercie avec tous les acteurs, Cogedim, etc., nous allons, il est là-bas, merci, nous allons mettre en lumière les grands moulins, donc rester. Nous allons goûter, pour ceux qui boivent de la bière, il y a de l'alcool dedans, vous allez goûter la bière d'O'Sullivan. Il y aura un labo
et ils fabriqueront de la bière sans alcool, donc tout le monde pourra boire de la bière si vous aimez ça. Il y a un buffet, et je le dis d'ailleurs, vous savez, il y a des villes, les promoteurs ils font de l'argent, ben, bien sûr. Des fois ça sert à d'autres aussi, ça arrose. Tant qu'on sera nous élus dans cette ville, l'argent qui pourrait se dégager en plus, ça n'arrosera personne. Et donc la soirée de ce soir, elle coûte zéro, je le dis, c'est votre pognon, elle coûte zéro aux habitants, elle coûte aux promoteurs qui la payent. Nous allons faire travailler Résica, vous allez pouvoir manger. Résica, le restaurant L'Épicure, on pourra manger, boire ce soir, découvrir la ville en lumière. Voilà, le défi, il n'est pas dans ma main, il est dans les vôtres. Et ça, c'est la promesse qu'on vous fait. Merci à vous.